Dieu, notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde, c'est toi notre parent rédempteur. C'est toi qui seul avais été trouvé digne au ciel quand on cherchait un parent rédempteur qui pouvait prendre le livre mystérieux, le livre scellé des sept sceaux. Il n'était trouvé personne d'autre au ciel, sur la terre, sous la terre, que toi seul. C'est parce que tu avais vaincu, tu avais prévalu, tu avais accepté de subir la rigueur de ta loi en devenant péché. Tu étais mort à notre place pour que nous ayons la vie éternelle. Tu avais ainsi payé le prix qui était exigé par ta loi pour nous racheter et nous ramener dans la position des fils et des filles de Dieu. Ce livre mystérieux est un livre de vie. C'est le livre de la rédemption qui nous donne le droit, ô Dieu, à toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles tu étais mort à la croix de Golgotha. Nous en sommes héritiers. Seigneur Jésus, nous voici maintenant, Seigneur, disposés à écouter ta parole, à entendre tes oracles. Nous te prions, Seigneur, de venir ouvrir pour nous, Seigneur, le livre. Ce livre, c'est aussi la Bible. Ouvre-nous l'entendement, ouvre-nous le contexte. Nous allons lire comme tout homme peut lire, mais donne-nous l'interprétation de ces écrits que nous allons lire. Envoie-nous ton onction, cette onction qui révèle ta parole et qui l'enseigne aussi. Que cette onction soit sur nous et sur tout l'auditoire. Viens aussi confirmer ta parole avec des prodiges et des miracles. Tu es le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Ce que tu faisais autrefois, tu le fais et tu le feras encore. Amen. Autrefois, tu envoyais ta parole et ta parole guérissait ton peuple. Puisse encore ce matin, ta parole qui sera prêchée, puisse-t-elle guérir les malades au milieu de nous. Puisse-t-elle chasser les ténèbres. Puisse-t-elle chasser l'incrédulité? Puisse-t-elle chasser les démons? Que cette parole délie la santé de chacun de nos seigneurs. Que cette parole libère la puissance de la résurrection de Jésus. Pour que ceux qui étaient morts puissent ressusciter. Ceux qui étaient captifs puissent être libérés. Ce qui était possédé puisse être délivré. Que les malades soient guéris. Que les rétrogrades soient ramenés. Que les nécessités soient consolées. Oh Seigneur, que les faibles soient fortifiés. Que les âmes assoiffées soient remplies du Saint-Esprit. Que tout se fasse pour ta gloire et pour ton honneur. Nous croyons que tu le feras ainsi parce que tu es fidèle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu abariki. Nous allons prendre notre Bible. Tachukua ma Biblia yetu. Et nous lirons trois passages. Tutasoma maandiko tatu. Lirons d'abord dans Daniel chapitre 12, le quatrième verset. Un seul verset. Tutasoma kwa kwanza Danieli sura ya 12 mstari wa 4. Deuxièmement, nous lirons dans Apocalypse chapitre 5. Kishae tutasoma katika kitabu kia Ufunuo sura ya 5. Du premier au quatrième verset. Kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 10. Troisièmement, nous lirons
dans Apocalypse chapitre 10, le 7e verset. Tutasoma katika Ufunuo sura ya 10 mstari wa 7. Prenons d'abord Daniel. Tachukua kwanza kitabu kia Danieli sura ya 12. Prenons le livre de Daniel. Kitabu kia Daniel. Voilà. Daniel 12. Danieli 12. Nous lisons. Tutasoma. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Amen. Amina. Apocalypse chapitre 5. Kitabu kia Ufunuo sura ya 5. Nous lisons du premier au 10e verset. Tutasoma mustari wa kwanza hadi wa 10. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ni pu ouvrir le livre, ni le regarder. J'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Dieu, vivant, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits par toute la terre. Enfin, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Enfin, Apocalypse 10:7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Bon aïe. Et puis le crédit, nous avons commencé à étudier un thème aussi important. Tulianza kujifunza tema moja ya maana kabisa. Thème que nous avons intitulé la révélation des 7 sceaux. Ile tuliitwa ufunuo wa miuri saba. La révélation des 7 sceaux. Ufunuo wa miuri saba. Et le premier sujet dans ce thème, na kishina kia kwanza katika tema hii, nous avons cherché à découvrir le mystère du livre scellé de 7 sceaux. Tulitafuta kwanza tuyue siri ya kitabu kenye kuchapiwa na mihuri saba. Nous n'avons pas terminé ce sujet, nous allons continuer avec ce sujet là, le mystère du livre scellé de 7 sceaux. Atukumaliza ile kishina, tutamaliza ile kishina yenye kuitwa siri ya kitabu kenye kuchapiwa na mihuri saba. Amen. Amen. Si nous avons été attentifs,
Nous voyons que depuis l'Ancien Testament, quand Daniel avait vu le livre, il lui fut dit de sceller le livre. Il mwambiwa kuchapa kitabu. Et le mystère du livre devait être gardé secret jusqu'au temps de la fin. Ile siri ya kile kitabu ilipasha kuchungiwa siri paka na mwakati ya mwisho. Amen. Amen. Et quand on arrive au temps de la fin. Quand on arrive au temps de la fin. Na wakati tunafika mwakati wa mwisho. Dans Apocalypse chapitre 10, katika Ufunuo sura ya 10, il est dit, imesemwa que c'est au jour de la voix du septième. Ya kama ni musiku masiku ya sauti ya malaika wa saba. Quand il sonnerait de sa trompette. Wakati atakapolilisha baragumu yake. C'est en ces jours-là, ni mwile siku ile, que les mystères de Dieu seraient accomplis. Njo siri za Mungu zitatimilika. Amen. Amen. C'est au temps de la fin. Ni mwakati wa mwisho. Quand le septième ange. Wakati malaika wa saba. Pas le premier. Apana malaika wa kwanza. Pas le deuxième. Apana wa pili. Pas le troisième. Apana wa tatu. Pas le quatrième. Apana wa nne. Pas le cinquième. Apana wa tano. Pas le sixième. Apana tena wa sita. Mais c'est quand le septième. Lakini ni wakati malaika wa saba. Qui est le dernier ange. Mwenye kuwa malaika wa mwisho. Parce que dans la main de celui qui était au milieu de sept chandeliers d'or. Juu katikati ya mukono ya mwenye ula likuwa muvinara saba. Dans la main de Jésus. Mumukono wa Yesu. Il n'y avait que sept étoiles. Mulikuwa manyota saba tu. Les sept étoiles. Ile manyota saba. Sont les messagers. Ni wajumbe. Des sept âges de l'église. Wa bizazi saba ya kanisa. Amen. Amina. Le premier messager. Mujumbe wa kwanza. C'était Paul. Ilikuwa ni Paulo. Le deuxième. Wa pili. Irénée. Irénée. Le troisième. Wa tatu. Martin Colomba, je vois. Colomba. Non, Martin. Martin. Le quatrième. Waïne. Colomba. Le cinquième. Watano. Luther. Luther. Le sixième. Wasita. Wesley. Wesley. Le septième. Wasaba. William Marion Branham. William Marion Branham. Et la Bible dit. La Bible nasema. Que c'est au jour de la voix du septième. Ya kama ni mumasiku ya sauti ya malaika wa saba. Quand il sonnerait de sa trompette. Wakati atakapolilisha baragumu. Amen. Amina. On peut arriver au jour de la voix du septième ange. Tunaweza kufika musiku ya mumasiku ya sauti ya malaika wa saba. Si longtemps qu'il n'a pas encore sonné de sa trompette. Wakati yote baragumu yake itakuwa ijalia. Mystères ne seront pas révélés. Siri hazitafunguliwa bado. Pour que le mystère soit révélé. Ili siri funguliwe. Il faut que le septième ange. Inabidi malaika wa saba. Sonne de la trompette. Alilishe baragumu. Que le septième ange. Malaika wa saba. Prêche son message. Ahubiri ujumbe wake. Son message. Ujumbe wake. C'est la révélation du mystère. Ni kufunua masiri. C'est ça le message du septième ange. Jo ujumbe ya malaika wa saba. Amen, 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 amen. 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 Amina. Donc le mystère du livre. Manake siri ya kitabu. C'est le de sept. Kenye kuchapiwa na miuri saba. C'est quoi un mystère? Siri ni nini manake? Un mystère. Siri est une vérité. Ni ukweli fulani. Qui a été d'abord caché. Yenyewe ilifichwa mbele. Et qui est révélé. Na inafunuliwa kisha. Et à laquelle est attaché toujours un élément surnaturel. Na kuile ukweli kuko kwenye kuambatana na kitu moya kiasiye kuwa kia maumbile. C'est ça un mystère. Jo siri ile. Alléluia. Amen. Alors tous les mystères devaient être révélés au temps de la fin. Manake masiri yote lipasha kufunguliwa mwakati wa mwisho. Prenons le prophète. Tu chukue nabi. Dans le message, monsieur, est-ce le signe de la fin? Katika mobili naitwa e Bwana eti ni alama ya wakati ya mwisho, ishara ya wakati wa mwisho. Suivez un peu ce que frère Branham dit. Mutafuta kwanza kile ndugu Branham anasema. Monsieur S le signe de la fin. E Bwana. Message prêché le 30, ishara ya wakati wa mwisho. Décembre 1962. Ujumbe wenyewe ulihubiriwa tarehe 13 mwezi wa 12 mwaka 62. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Nous allons commencer à lire à partir du paragraphe 241. Tunaweza kuanzia kusoma ku kifungu 10:7. Anafasilia hapa Ufunuo 10 mstari wa 7. Apocalypse 10:7. Ufunuo 10 mstari wa 7. Ndugu Branham anasema. Le septième ange d'Apocalypse 10:7. Malaika wa 7 wa Ufunuo 10:7 est le messager
au septième ange, pardon, et le messager au septième âge de l'église. Ndiye mujumbe wa kizazi kya saba kya kanisa. Le septième ange. Malaika wa saba. D'Apocalypse 10, 7. Wa ufunuo kumi saba. Et le messager. Ndiye mujumbe. Au septième âge de l'église. Mukizazi kya saba kya kanisa. Voyez-vous? Mnaona? Maintenant observez. Sasa angalieni. Il est dit au jour. Anasema mumasiku. Au jour de la voix du septième ange. Mumasiku ya sauti ya malaika wa saba. Mais qu'au jour de la voix du septième ange. Lakini mumasiku ya sauti ya malaika wa saba. Quand il sonnerait de la trompette. Wakati baragumu itakapolia. Le mystère de Dieu s'accomplirait. Siri za Mungu zitatimilika. 242. Ce messager ici, uyu mujumbe uyu, le septième ange, uyu mujumbe, malaika, mujumbe proclame son message à l'église de Laodicée. Eko natangaza ujumbe yake ku kanisa la Laodikia. Ce messager ici, uyu mujumbe uyu, le septième ange, uyu malaika wa saba, proclame son message Eko natangaza ujumbe wake à l'église de Laodicée. Ku kanisa ya Laodikia. Il dit, remarquez son genre de message. Asema tazameni aina ya ujumbe yake. Avez-vous remarqué? Munaona ile? Vous remarquez cela? Munaona ile? Quand frère Bram dit remarquez, c'est qu'il attire notre attention. Kama ndugu Branham anasema angalieni, manake anapenda kuvuta angalisho yetu. Alléluia. Amina. Remarquez son genre de message. Tazameni aina ya ujumbe yake. Oh, cela ne s'adressait pas au premier ange. Japo ile haikukua naelekea malaika wa kwanza. Ni au deuxième ange. Wala malaika wa pili. Au troisième. Wala malaika wa tatu. Quatrième. Wala wa nne. Cinquième. Wala wa tano. Sixième. Wala wa sita. Mais lakini c'est le septième ange. Ni malaika wa saba. Il y avait ce genre de message. Jo alikuwa na ile aina mahali ya ujumbe. Alléluia. Amen. 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 Il dit, anasema c'est le septième ange qui avait ce genre de message. Ni malaika wa saba ndio alikuwa na ile hali ya ujumbe. Qu'était-ce? Ilikuwa nini? Remarquez son genre de message. Tazameni ali yake ya ujumbe. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu. Ni kutimiza masiri yote ya Mungu. Qui sont écrits dans le livre. Yenye kuandikiwa katika kitabu. C'est ça son genre de message. Jo ali ya ujumbe yake. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu. Ni kutimiza masiri yote ya Mungu. Alléluia. Amen. Ils sont écrits dans le livre. Yenye kuandikiwa katika kitabu. Le septième ange. Malaika wa saba. Met fin à tous les mystères. Anamaliza masiri yote. Qui sont restés en suspens dans toutes les organisations et dénominations. Yenye waikufundishiwa katika mazebu yote na mamatengenezo yote. Le septième ange. Malaika wa saba. Les réunit. Anaikusanisha. Et met fin au mystère entier. Na anamaliza masiri yote. C'est ce que dit la Bible. Joki le Biblia inasema. Il met fin au mystère du livre écrit. Anamaliza masiri yote yenye kuandikiwa mkitabu. Il met fin au mystère du livre écrit. Anamaliza masiri yote yenye kuandikiwa mkitabu. Maintenant, sasa, il dit relevons quelques-uns des mystères. Asema tuoneshe masiri ingine ingine. Si vous voulez, vous pouvez les inscrire. Kama munapenda, munaweza kuyandika. Moi, je prendrai ce que dit Scofield dans Matthieu 13. Mimi napenda kumwambia kile Scofield anasema katika Mathayo 13. Si vous voulez en inscrire quelques-uns. Kama muliweza kuandika ingine ingine. Si vous n'avez pas de Bible Scofield, kama hauna na Biblia au tafsiri wa Scofield, vous voudrez peut-être lire ce que sont d'après lui, certains des mystères. Unaweza kusoma kufuatana na Scofield kile masiri inamaanisha kwake. Amen. Amina. Amen. Amina. Bien. Sawa. So, il a cité le mystère du royaume. Alitaya siri ya ufalme. Le mystère d'aveuglement. Siri ya kupofushwa kwa Israeli. C'est beaucoup de mystères. Ni masiri mingi. Amen. Amina. Amen. Amen. Les mystères de Dieu en tant que Christ. De si. Dieu, Christ, qui est le, la divinité incarnée, si. Révélée. Siri ya Mungu yenye kuwa Kristu, Mungu mwenye kufunuliwa. Amen. Amina. Alors, il a cité des mystères. Alitaya masiri pale. C'est beaucoup de mystères. Masiri mingi. Mais ici, il dit. Apa nasema. Au paragraphe 244.
kukifungo 244 c'est quel est un mystère. Pale anafafanua siri ni nini. Voici ce que un mystère. Asema tazameni sikenye kile siri iko. Un mystère dans l'écriture. Siri katika maandiko. C'est une vérité. Ni ukweli. Qui a été préalablement caché. Ukweli yenyewe ilifichwa mbele. Et qui est maintenant révélé divinement. Na yenyewe sasa inafunguliwa mkimungu. Inafunuliwa mkimungu. Mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel. Na kuile ukweli kuna bakia kitu kia kimungu kenyewe kuambatana nake. Malgré la révélation. Isipokuwa ufunuo. Un mystère, même quand il est révélé. Siri hata wakati nafunuliwa. Il est toujours mystérieux. Inegalaka paka ya siri. Un mystère, même quand il est révélé. Siri hata kama banaifunua. Il y a toujours un élément surnaturel. Kuko tupaka kitu kimoya attaché à ce mystère là. Kenye kuambatana na ile siri ile. Amen. Amina. Amen. Amina. Hili. Anasema. Un mystère dans l'écriture. Siri katika mandiko. Est une vérité. Ni ukweli. Qui a été préalablement caché. Yenyewe ilifichwa kambele. Et qui est maintenant révélé divinement. Na yenye nafunuliwa mkimungu. Mais à laquelle reste toujours attaché un élément surnaturel malgré la révélation. Lakini kuile kunabakia kitu kia kiro kenye kuambatana nakyo ingawa ufunuo. Amen, amen. Amina. Amen. Amina. Oh bien-aimés frères et sœurs. Eh wapendwa ndugu na dada. C'est merveilleux. Ni ya mastajabu. C'est très merveilleux. Ya mastajabu kabisa. Alors nous voyons. Sasa tunaona. Parce que notre sujet. Kishina kingine. Nous parlons. Kishina yetu. Mystère. Tuko nasemea siri. Du livre scellé de sept sceaux. Ya kitabu kenye kuchapiwa na miuri saba. C'est ça notre sujet. Njo kishina yetu ile. Le livre là. Kile kitabu kile a été scellé de sept sceaux. Kilichapiwa na miuri saba. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 5. Tunaona katika kitabu kia ufunuo sura ya 5. Nous lisons. Tunasoma. Qu'il y avait un ange. Tukonasoma mula kama kulikuwa malaika. D'abord on dit qu'il y a quelqu'un qui est sur le trône. Lisons ça, relisons. Tutasoma ile. Apocalypse chapitre 5. Ufunuo sura ya 5. C'est Jean. Ni fut ravi en esprit. Ni Yohane mwenyewe alichukuliwa mkiro. Il est au ciel, il voit ce qu'il y a au ciel. Eko kumbingu na naona kenye kiko na pitika na mbingu. Je vis dans la main droite. Akasema naona katika mkono wa kuume. De celui qui était assis sur le trône. Ya mwenye alikuwa mwenye kuikala pa kiti kya ufalme. Un livre écrit. Kitabu kenye kuandikiwa. En dedans et en dehors. Inje na ndani. Scellé de sept sceaux. Kenye kuchapiwa na miuri saba. Amen. Amina. Il voit ça au ciel. Anaona kile kitabu kumbingu. Il voit dans la main de quelqu'un qui était sur le trône. Anaona kile kitabu mu mkono wa mtu mwenye alikuwa mkono. Il y avait un livre écrit. Mulikuwa kitabu kenye kuandikiwa. En dedans et en dehors. Ndani na nje. Et ce livre était scellé de sept sceaux. Na kile kitabu kilikuwa kenye kuchapiwa na miuri saba. Verset 2. Mstari wa pili. Et je vis un ange puissant. Na nikaona malaika wa uwezo. Qui criait d'une voix forte. Alikuwa kilalamika kwa sauti ya nguvu. Qui est digne. Nani anastahili. D'ouvrir le livre. Kufungula kitabu et d'en rompre les sceaux. Na kukivunja miuri. Et personne dans le ciel. Na akukukua mtu mbinguni. Ni sur la terre. Wala pa dunia. Ni sous la terre. Wala chini ya udongo. Ne puis ouvrir le livre. Akuweza kufungula kitabu. Ni le regarder. Hata kukitazama. J'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne. Nikalia sana. D'ouvrir le livre ni de le regarder. Kwani akukukua mtu mwenyewe alistahili kuchukua kitabu hata kukiangalia. C'est ça que nous allons découvrir. Comment? Joel est tout à fait. Comment expliquer que? Tout à diffuser ça, ça n'amène gani. Tout nous a confirmé à. Pour ouvrir ce livre. Dieu a confondu la quelle kitabu. On cherche quelqu'un qui est dit. Banatafuta kamu tu mwenye kustaili. Et dans le ciel. Na. Partout dans les personnes. Mumbingu mota kukuku ata mtu moye. Aucun ange. Ata malaika. Aucun ange. Ata malaika mkubwa. Ne fut trouvé digne. Akustahili. De prendre le livre. Kuchukua kile kitabu. D'en briser le sceau. Na kukivunja miuri. De l'ouvrir. Kukifungula. On regarde sur la terre. Tunangalia pa dunia. Personne. Hakuna mtu. Sous la terre. Tunangalia chini ya dunia. Hakuna mtu. C'est que ce livre doit être un livre important.
C'est pourquoi nous parlons du mystère de ce livre. Ça nous découvre. C'est un livre mystérieux. Amen. Amina. Et bien vous les prophètes. Et tu n'en peux pas nabi. Suivons ces deux frères Barnabé. Tout fois qu'il est nous manasem. Nous sommes dans la brèche. Tout quoi qu'attique à mon bilan qui toi pengo. Partie du paragraphe 153. Kifungo miyamoja amsin matatu. Là, je peux lire les prophètes. Je... Parle nous avons déjà commenté là-dessus. Nous avons déjà commenté la Bible pour faciliter. Nous sommes dans la brèche. 153. On va aller jusqu'à 178. J'ai lu les prophètes. Il explique cette scène. Il nous dit. Donc, un ange puissant. Il dit, l'ange puissant. D'une voix forte. Il cria. Qui est digne? Nani anastahili? Qui est digne de prendre le livre? Nani anastahili kuchukua kitabu? Paragraphe 154. Mia kifungo 154. Manake nous voyons hapa tunaona où est le livre en ce moment. Kitabu kile kiko wapi mwiti? C'est avec son propriétaire originel. Kiko na mwenye nake wa byakweli. Le propriétaire originel. Kiko na mwenye nake wa byakweli. Parce qu'il a été perdu par un fils, le premier fils de Dieu. C'est le livre que Adam avait perdu. Quand il avait péché, il a perdu le livre. Et le livre est vite retourné dans la main du propriétaire originel. Amen. Amina. Et quand qu'il a renoncé à ses droits, donc Adam, wakati alipopoteza maadi ya masheria yake, pour écouter Satan, juu ya kusikia shetani, il a abandonné trois points. Akaacha nuta tatu pale. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il a accepté la sagesse de Satan au lieu de la parole de Dieu. Alitika hekima ya shetani kuliko neno ya Mungu. De là, on pourrait vraiment s'arrêter ici pendant un bout de temps. Na pa hapa tungesimama hapa wakati moya fulani. Des fils de Dieu wana wa Mungu vont opter pour l'idée d'un séminaire. Banaenda kuchakula kwenda kujifunza ma seminari plutôt que pour la parole de Dieu. Vous voyez? Lakini bana kuzikuli pali pali pa kufunda neno la Mungu mnaona? La même chose que ce que Adam a fait. Kitu kimoja kimoja kile na kile Adam alifanya. Il a renoncé à ses droits. Akaacha masheria yake. Et à ce moment-là, na kwa ile wakati ile, le livre est retourné tout droit. Kitabu kikarudia. Vous pouvez voir ce qu'il en est. Mnaweza kuona mambo yenyewe yalikuwa pale. Là, n'est-ce pas? Mnaweza il est retourné tout droit au détenteur originel. Na kikarudia kwa mwenye nake wa byakweli. Et Jean dans l'esprit. Na Yohane katika roho. Il est là. Eko pale. Dans le ciel. Kule kumbingu. Il vient d'être ravi. Akachukuliwa. Là. Kule. Après les âges de l'église. Kisha vizazi vya kanisa. Vous voyez? Naona? Il avait vu les âges de l'église. Alionaka bile vizazi vya kanisa. Ensuite, il a été ravi. Kisha akachukuliwa. Au chapitre 4. Ku mustari wa 4. Vous avez vu ça? Tuliona hivi. Il dit monte ici. Anasema makamwambia panda huku. On a vu que Jean nous représente. Na tunaona hapa kama Yohana ni tuwakilisha. Représente chaque croyant. Anakilisha kila mwaminifu. Tout celui-là qui est baptisé du Saint-Esprit est représenté par Jean. Amen. Amina. Jean Yohane a vu les âges de l'église. Ariona bizazi bya kanisa. Amen. Amina. Depuis Apocalypse chapitre 1er jusqu'au chapitre 3. Après cela, l'église est enlevée. Kisha ile kanisa. On ne voit plus l'église. On parle plus de l'église. Atuone tena kanisa na tuseme. C'est là que Jean est ravi en esprit. Ni pale Yohana alichukuliwa muro. Il est monté. Akapanda. Une voix lui a dit monte ici. Sauti moja ikamwambia panda huku. Et frère Branham dit. Na ndugu Branham anasema chaque croyant kila mwaminifu un jour viendra. Siku moja itafika. Vous entendrez une voix vous dire monte ici. Ile tutasikia sauti kumwambia pandeni huku. Alléluia. Amina. Alors Jean quand il est monté, na Yohane wakati alipanda, il voit maintenant la scène au ciel. Akaona sasa ile mambo kumbingu. Amen. Amina. Amen.
Amen. Jean dans l'esprit, il est là. Yohane katika roho yuko pale. Dans le ciel, kumbingu, il vient d'être ravi. Akachukuliwa. Là après les âges de l'église, vous voyez? Ile nikisha bizazi bya kanisa mnaona? Il a vu les âges de l'église. Aliona bizazi bya kanisa. Ensuite, kisha, il a été ravi au chapitre 4. Akachukuliwa kumstari wa 4. Il a dit, akasema, monte plus haut. Panda juu kabisa. Je vais te montrer les choses qui vont arriver. Takuonesha vitu bile bitafika. Amen. Amina. Je vais te montrer les choses qui vont arriver. Takuonesha vitu bile bitafika. Il a vu quelqu'un. Ariona mutu. Il a vu quelqu'un. Ariona mutu moi qui fungo miyamoto. Il était assis sur le trône. Mwenye mo kuikala pa kiti. Avec ce livre dans sa main. Na kile kitabu mkononi mwake. Dans sa main droite. Katika mkono yake ya kume. Ndugu bwana dit pensez-y. Ndugu bwana anasema mwazie mbele. Bon et puis dans ce livre, katika kile kitabu, il y avait un titre de propriété pour la rédemption. Mulikuwa mikanda ya kienyeji juu ya ukombozi. Et il était scellé. Na kilikuwa kenye kuchapiwa. Il était scellé de sept sceaux. Kilikuwa kenye kuchapiwa na miuri saba. Dans ce livre, katika kile kitabu, il y avait le titre de la rédemption. Mulikuwa mikanda ya ukombozi. Et le livre était scellé de sept sceaux. Na kile kitabu kilikuwa kenye kuchapiwa na miuri saba. 157. Alors un ange s'est avancé. Sasa malaika moja kakaribia. Un ange puissant. Malaika moja wa uwezo. Il proclamait d'une voix forte. Akalalamika kwa sauti ya nguvu. Qui était digne d'ouvrir le livre? Nani anastahili kufungula kitabu? De prendre le livre. Kuchukua kitabu. Qui pouvait ouvrir les sceaux? Nani anaweza kufungula miuri? Qui pouvait ouvrir ce livre? Nani anaweza kufungula kitabu? Vous voyez? Naona. L'ange demandait cela. Malaika alikuwa anauliza hili. Jean l'a vu. Yohane akaona. Et il disait. Na akasema. Maître qui est-il? Sasa huyu ni nani? C'est Jean qui se demande. Nani anastahili? Ni Yohane alikuwa anajiuliza si nani anastahili basi. Et celui-là. Ule mwenye kustahili. Celui qui est digne puisse avancer. Ule mwenye kustahili akaribie. Qui est-il? Nani anastahili? Oh là là. Oh my. Il dit peut-être que c'est moi qui le ressens. Asema. Comme ça. Sasa zingine ni minjo mwenye kusikia hivi. Mais qu'est-ce celui-là? Sasa ni nani ule? Disait l'ange. Que celui-là. Malaika alikuwa anasema ule mwenyewe. Que celui qui est digne avance. Mwenye kustahili akaribie. Ça je lis comment le prophète commande. Je lis seulement. Hii niko nasoma ni vile nabii anafasiri. Il dit voilà le livre de la rédemption. Anasema tazameni kitabu kia ukombozi. Voilà le plan de la rédemption. Tazameni mapa ya ukombozi. Voilà le seul moyen pour vous d'être racheté. Tazameni njia moja juu yenu ya kukombolewa. Car voilà le titre de propriété pour la rédemption des cieux et de la terre tout entier. Que celui-là veuille bien s'avancer. Ule mwenyewe anastahili akaribie. Oh là là. Oh my. Qu'il parle maintenant. Aseme sasa. Que celui qui est digne parle. Mwenye kustahili aseme. Où est-il? Eko api. Qu'il veuille bien s'avancer. Akwala akaribie. Le livre est là. Kitabu kio hiki. Qui est digne? Nani anastahili? Qui est digne? Nani anastahili? On regarde au ciel. Banangaria kumbingu. Les anges étaient là. Ba malaika balikuwa pale. Les archanges étaient là. Ba malaika bakubwa balikuwa pale. Les vieillards étaient là. Bengine balikuwa pale. Tous étaient là. Bote balikuwa pale. Personne n'avançait. Akukukua mtu alikuwa anakaribia. On regarde sur la terre. Banangaria pa dunia. Abraham était là. Ibrahim alikuwa hapo. Tous les prophètes. Banabii bote. Même Branham était là. Ata Branham alikuwa hapo. Personne. Akukukua mtu. On va sur la terre. Tunenda pa dunia. Lucifer était là. Chini ya dunia Lucifer alikuwa pale. Mandemona alikuwa hapo. Personne. Akukukua mtu. Amen. Alléluia. Qu'il parle. Nani anastahili? Qui est-il qu'il parle maintenant? Ula anastahili aseme sasa. Ou alors qu'il s'était. Wala ikale kimya. S'il est là qu'il parle. Kama eko hapo aseme. Qu'il se prononce. Aseme ajitangaze. Eko wapi? C'est l'ange qui demande. Pale ni malaika kunauliza. Tout le monde calme. Batu bote kimya. Alléluia. Amen. Paragraphe 159. Kifungo 159. Na Yohana akasema il n'y a personne dans le ciel akukukua mtu kumbingu qui peut trouver digne mwenyewe alistahili. Aucun homme sur la terre akukukua hata mtu kwa dunia mwenyewe alistahili. Aucun homme sur la terre akukukua mtu chini ya dunia qui avait vécu mwenyewe aliishi
et qui soit mort, na ula likufa, qui fut trouvé digne. Aucun homme ne fut trouvé digne. L'appel de l'ange était un appel destiné à faire apparaître le parent rédempteur. On cherchait le parent rédempteur. C'est lui qui a vaincu. C'est lui qui a payé le prix. L'ange n'a pas payé le prix. Malaïka kuli pabei. Un archange n'a pas payé le prix. Malaïka mukua kuli pabei. Un homme ne pouvait pas nous sauver. Damu ya muto ikuweza kutoko. Aucun prophète ne peut vous sauver. Akuna hata nabii moja mwenye anaweza kukoko. Aucun homme. Akuna hata mutu. C'est lui qu'on cherchait qui est digne, c'est le parent rédempteur. Où est-il? Ule mwenye balikuwa natafuta mwenye kustahili ni ndugu mkombozi. Où est le parent rédempteur? Ndugu mkombozi yeko wapi? Où est celui qui a payé le prix? Eko wapi mwenye ola lilipa bei? Où est celui qui a racheté toutes choses? Ule mwenye ola litukomboa. Où est-il? Eko wapi? Où est-il? Eko wapi? C'est le parent rédempteur qu'on cherchait. Ule ni ndugu mkombozi alikuwa natafutiwa. Alléluia. Amina. Alors, sasa. Il dit, akasema, Dieu a dit. Mungu anasema, j'ai établi une loi. Il y avait une loi. Kulikuwa sheria pale. Un parent rédempteur. Nduku mkombozi. Peut servir de substitut. Peut servir de substitut. Anaweza kusaidia kama badala. Quelqu'un qui prend la place. Ni ndugu mwenye kuchukua fasi ya mwingine. Où est ce parent rédempteur? Eko wapi ule nduku mkombozi? Qui peut prendre le livre? Qui peut prendre le livre? Anaweza kuchukua kitabu. Nani anaweza kuchukua kitabu? Frère Branham dit. Fateni ndugu Branham anasema. Paragraphe 160 il dit. Kifungo 160 anasema. Depuis Adam, asema tangia Adam, jusqu'à la fin, paka na kumwisho, en passant par les apôtres, kwa kupitia kwa mitume, et tous les prophètes, na banabii bote, et tout le reste, na babote bengine, on n'a trouvé personne. Aba kukuta mutu. Amen. Amen. Maintenant, sasa, qu'en est-il? Ni mambo kani? Personne dans le ciel, akuna mutu kumbingu, personne sur la terre, akuna mutu pa dunia, personne qui est jamais vécu, akuna mutu lasha kuishakako. Élie était là. Élie alikuwa pale. Moïse était là. Musa alikuwa pale. Tous les apôtres étaient là. Ba mitume bote balikuwa pale. Ou tous ceux qui étaient morts. Wala bale bote basha kufa. Tous les saints. Batakatifu bote. Job était là. Ayubu alikuwa pale. Les sages étaient là. Ba hekima balikuwa pale. Ils étaient tous là. Balikuwa bote pale. Personne n'était digne. Na hakuna mtu alistahili. Même de le regarder, regarder seulement le livre. Hata kukitazama tu kukiangalia kitabu. Encore moins de le prendre. Na ataku kichukua et d'en briser les sceaux. Na kuvunja miuri. Maintenant qu'est-ce que fait Branham? Sasa ndugu Branham anasema, maintenant qu'est-ce que le pape et tout cela deviennent là dedans? Sasa asema sasa ba papo na ba bote bengine banakuwa nini mule ndani? Et votre évêque? Na mskofu wenu. Si vous avez un évêque. Kama mko na mskofu. Si le prophète n'était pas digne. Kama nabii akustahili. Le pape. Sasa papo. Les évêques. Waskofu. L'évangéliste. Aba baya pasabali njema. Eh ba fulani. Laissez ça. Mwache bile bintu. Amen. 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 Il dit, où est notre mérite personnel? Asema sasa fazili yetu ya upeke iko wapi? Nous ne sommes rien. Chie aba tuna kitu. C'est vrai. Ni kweli. Il a demandé au parent rédempteur de s'avancer. Aliomba kwa ndugu mkombozi kukaribia. S'il le pouvait. Kama aliweza. Mais Jean a dit qu'aucun homme n'était digne. Sasa Yohana alisema hakuna hata mtu mmoja wala alistahili. Il dit ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas là de gens dignes, par exemple un ange. Asema aina sema njoo akukukua pale watu wenye kustahili sasa malaika. Amen. Par exemple un ange. Kwa mfano malaika. Amen. Amen. Comme par exemple disons Gabriel. Sasa kwa mfano tuseme hata Gabriel. Michel-ange. Wala Michael. L'ange Michel. Seulement rappelez-vous. Sasa kumbukeni tu. Il fallait que ce soit un parent. Ilipendeza ikue nduku. Donc eux regardaient. Sasa bo balikuwa naangalia. Les anges sont puissants. Ba malaika beko na uwezo. Mais ils ne remplissaient pas les conditions. Lakini abakukua natimiza makanuni. Parce que celui qu'on cherchait c'est le parent rédempteur. Juu ule balikuwa natafuta alikuwa ni baba mkombozi. Parce que le livre là. Kile kitabu kile. C'est un livre mystérieux. Ni kitabu kia siri. Le livre là. Kile kitabu. C'est le livre de la rédemption. Ni kitabu kia ukombozi. Si tu n'es pas parent rédempteur, tu ne peux pas avancer. Kama una ndugu mkombozi, hawezi kukaribia. Même si tu es un archange très puissant, mais tu ne peux pas avancer. Unaweza kuwa malaika mkubwa uko na uwezo wote lakini hawezi kukaribia. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de
des gens dignes, par exemple un ange, comme Gabriel, comme Michel, mais seulement rappelez-vous, il fallait que ce soit un parent. Amen, amen, amen. 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 Aucun homme, akuna mutu, non pas un ange, ata malaika, non pas un séraphin, ata waterubi, eux n'avaient pas péché. Awakutenda zamu. Mais lakini, ils étaient dans une classe à part. Balikuwa mkunji mwa hivi. Eux n'étaient jamais tombés. Ils n'étaient jamais tombés. Bo balikuwa baja angukaka. Mais ici, lakini, il fallait un parent rédempteur. Uku ilibidi nduku mkombozi. Aucun homme, akuna mutu, parce qu'aucun d'eux n'avait été racheté, n'avait été racheté. Aucun homme n'était digne de le regarder. Oh non. Hey. Oh là là. Oh my. Donc il fallait un parent humain. Il l'a demandé. Akauliza. Mais on ne l'a pas trouvé. Lakini abakumona. On l'a trouvé nulle part. Tafasi il n'y avait personne. Akukukua mutu. Aucun évêque. Aucun archevêque. Aucun prêtre. Aucune hiérarchie. Rien de tout cela. Akukukua ta kitu kimoja kubile biote. N'avait même assez de sainteté. Akuna ta mutu moja mwenyola likuwa na butakatifu. Ne serait-ce que pour regarder le livre. Butakatifu tu mwenye kuweza kumurusu kuangalia ta kitabu. Oh my. Ça c'est assez fort. Il est ni nguvu kabisa. Mais c'est ce que la Bible dit. Lakini njo kile Biblia inasema. Je ne fais que citer ce que Jean a dit. Niko tunarudiria mbele Yohana alisema. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jean a pleuré. Biblia inasema kama Yohana alilia. Ah. Amen. Pas comme certains l'ont dit. Apana sawa vile bengine balisema. J'ai entendu un homme enseigner ceci une fois. Nikashikia mtu nilishika na mtu mmoja kumbili mara moja. C'est parce qu'il ne se trouvait pas digne. Asema kama Yohana alilia ni njua shikujonaka kama anastahili. Non. Apana. Il dit tout homme. Asema mtu yote. Avec le Saint-Esprit sur lui. Na Roho Mtakatifu juu yake. Saurait que ce n'est pas ça. Atajua kama haina vile. Sous inspiration de Dieu, il saurait que ce n'est pas ça. Mwenye kuongozwa na Mungu atajua kama haina vile. Lakini Jean a pleuré. Yohana alilia. Voici pourquoi, d'après moi. Tazameni juu ya nini kufuatana na mie. D'après qui? Kufuatana na nani? Moi là c'est qui? Mie ule ni nani? C'est d'après le septième. Ni kufuatana na malaika wa saba. Alléluia. Amen. D'après le messager. Kufuatana na mjumbe. Du septième ange de l'église. Wakizazi kia saba kia kanisa. Le messager de l'âge de l'Odyssée. Mujumbe wakizazi kia Laodikia. Quand lui dit d'après moi. Kama nasema kufuatana na là nous devons prêter attention. Pale tunapasa kutega sikio. C'est la personne. Junjo mtu mwenyewe. Mwenye kustahili. C'est la voix autorisée aujourd'hui. Ndiye sauti yenye kuruhusiwa leo. Si la Bible c'était. Kama Biblia inekala kile. Et lui dit d'après moi. Na yeye anasema kufuatana na mimi. D'après moi là. Kama anasema kufuatana na mimi. C'est la parole de Dieu. Ni Dieu a kufunua. Alléluia. Amen. D'après moi. Kufuatana na mimi. Eh. Hey. Amen. Il dit anasema. Mais Jean a pleuré. Sasa Yohana alilia. Et voici pourquoi. Natazameni juu ya nini? D'après moi. Kufuatana na mie. Pourquoi il a pleuré? Juu ya nini alilia? C'est parce que ni juu si personne n'était digne. Kama hakuna vile kukua mtu mwenye kustahili. Et ne pouvait ouvrir ce livre de la rédemption. Na mwenye kuweza kufungula kile kitabu cha ukombozi. Toute la création était perdue. Biumbe biote bilipotea. C'est pourquoi Jean pleurait. Juu kwa maana Yohana alilia. S'il n'y a personne, kama kuna c'est que nous ne sommes pas rachetés. Kama tukombolewa, c'est que le prix n'a pas été payé. Manake bei haikulipiwa. C'est que nous sommes toujours dans le péché. Manake tuko tupa c'est que nous zambi sommes perdus. Ni kusema tumeshapotea. C'est pourquoi il a pleuré. Choko mana lilia. Oh, nous sommes perdus. Eh, tunapotea. Moi je pensais qu'on était sauvés. Nous sommes perdus. Nilikuwa nawazia kama tushaokolewa tunapotea. Alors. Na pale. Il entend une fois. Akasikia sauti. Ne pleure pas, Jean. Hapana kulia Yohane. Il y a quelqu'un. Kukomutu. Il y a quelqu'un. Kukomutu. Il y a quelqu'un. Kukomutu. Qui est celui-là? Ni nani ule mutu? Le lion. Simba. Le lion. Simba. De la tribu de Juda. Wa kizazi la Yuda. Le lion de la tribu de Juda. Simba wa kizazi la Yuda. Il a prévalu. Ali lui est digne.
il est digne. Anastahili. Il peut prendre le livre. Anaweza kuchukua kitabu. Jean était là. Yohana alikuwa pale. Le lion. Simba. Il se tourne. Anageuka. Il regarde bien. Anangalia mzuri. Pensant voir un lion. Aliwazia kuona simba. Qui a-t-il vu? Aliona nini? L'agneau. Akaona mwana kondo. L'agneau. Mwana kondo. Alléluia. Amen. L'agneau de la. Amen. Akaona mwana kondo. L'agneau de Dieu. Mwana kondo wa Mungu. Qui ôte le péché du monde. Mwenye kuondoa dhambi za dunia. Alléluia. Amen. Quand nous allons parler des choses, vous allez comprendre. Wakati tutasemea miuri mutaelewa. On dit le lion. Banasema simba. Maintenant. Sasa. En tant qu'intercesseur, il est encore l'agneau. Sawa mwombolezi angaliki mwana kondo. Quand il sera le lion, wakati atakuwa simba, plus de grâce. Hakuna tena neema. Hallelujah. Amen. C'est déjà le temps de jugement. Hii ni wakati wa kuamuliwa. Il regarde. Anangalia. Oh, il est encore l'agneau. Anangalia hapa angaliki mwana kondo. Il vient comme l'agneau. Yeko nakuwa sasa mwana kondo. Voilà qui vient. Ye ule yeko nakaribia. Il s'assoit. Anaikala. Il prend le livre et il s'assoit. Anachukua kitabu na anaketi. Il faut que la Bible, le Seigneur prophète dit. Tufuate kile nabii anasema. Alléluia. Amen. Oh. 187. Non, 167. Voici le livre. Tazameni kitabu. Voici le titre de propriété. Tazameni mikanda ya kienyeji. Il sera remis au Père rédempteur. Yenyewe itampewa nduku mkombozi. Qui pourra remplir les conditions requises. Mwenyewe ule atatimiza makanuni yenyewe. C'est la loi même de Dieu. Ndio sheria yenyewe ya Mungu. Il ne peut pas profaner sa loi. Hawezi kuvunja sheria yake. Ou plutôt, il ne peut pas dédier sa loi. Wala défier sa loi. Hawezi kupinga sheria yake. Voyez, unaona, Dieu exigeait un parent, Mungu alikuwa analazimisha nduku, rédempteur, nduku mkombozi, qui soit digne, mwenye kustahili, qui puisse le faire, ule anaweza kufanya hili, qui est ce qu'il faut pour le faire, mwenyewe anastahili juu ya kuifanya, il y a quelque chose, mwenyewe kuwa na mwenye kustahili juu ya kufungua mioyo, et l'ange dit maintenant que ce parent rédempteur s'avance, na malaika akasema ule nduku mkombozi akaribia, Jean a cherché. Yohana alitafuta. Il a cherché partout sur la terre. Alitafuta fwesi yote patoni. Il a cherché sous la terre. Alitafuta chini ya dunia. Il n'y avait personne. Akukukua mtu. La création et tout. Biumbe na biote. Tout était perdu. Biote bilikuwa bisha kupotea. Bien sûr que Jean a pleuré. Na akika Yohana alilia. Tout était perdu. Biote bilipotea. Cependant ses pleurs n'ont duré qu'un court instant. Na japo ile kulia kwake kulikuwa tu ni kwa muda mkidogo. Voilà l'un des anciens. Na tazameni wazee. Qui dit ne pleure pas Jean. Wakamwambia sema pana kulia. Oh la la. Oh my. Ses pleurs. Ile kilio kyake. N'ont duré qu'un court instant. Kilikuwa tu ni kwa muda. Jean se dit. Yohana kasema. Oh. Mais où est cet homme? Eh, ule mtu yuko wapi? Où c'est ton petit être? Ule mtu anaweza kuwa wapi? Je vois là-bas, voilà les prophètes. Na, tazameni banabi. Il regarde, il voit tous les prophètes. Anageuka anaangalia banabi bote. Kimia. Kimia. Tous les prophètes étaient là. Banabi bote balikuwa pale. Eux sont nés de la même manière que moi. Boba rizali kwa munamna moja moja na mimi. Voilà les sages. Tazameni wa hekima. Eh. Tous ces gens qui ont écrit les psaumes, qui ont parlé tout ça. Bale bantu bote balandika mazaburi bote balisemele mambo kimia. David, tous ces gens là. Daudi yuko wapi? Salomoni yuko wapi? Bote kimya. Voilà. Sawa. Il n'y a donc personne. Basi hakuna mtu. Amen. Amina. 172. 172. Je veux un homme qui puisse le faire. Napenda Je veux un homme qui puisse faire le rachat. Napenda mtu mmoja akomboe. Il n'a pas été trouvé. Asikupatikana. Alors Jean a fondu en larmes. Na pale Yohana kalia kabisa. Oh, tout était perdu. Pale akisema Il a pleuré amèrement. Akalia kwa machozi. Il était triste. Alikuwa na huzuni. Parce que tout, ju biote, la création entière, biumbe biote, tout serait perdu. Biote bingelipotea. Si on n'arrivait pas à trouver quelqu'un. Kama bakuweza kupata mutu. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Si on arrivait à trouver quelqu'un. Kama bafike mkupata mutu. Qui puisse satisfaire aux exigences. Mwenyewe ule anaweza kuweza kuonesha ile makanuni. Tous les êtres humains. Batu bote. Le monde entier. Dunia yote mzima. La création tout entière. Biumbe biote. Était perdu. Bilikuwa benye kupotea. Et tout était tombé. Na biote bilianguka. Le droit à la rédemption. Sheria kukombozi. Le droit à la vie éternelle. Sheria kuzima wa milele. La lumière.
tous ses droits avaient été perdus. Il n'y avait personne qui puisse payer le prix. J'en sais mis à pleurer. Parce que personne n'était digne. Et que personne ne pouvait même regarder le livre. Oh, il fallait un être humain. J'en pleurais. Parce que personne ne pouvait le faire. Et que tout était perdu. 174. Alors, n'a pas allé. S'est fait entendre la voix de l'un des anciens. Kukasikilika sauti ya moja kati ya wazee. Il s'est tenu au milieu des quatre êtres vivants. Mwenye alikuwa anasimama katikati ya viumbe ine vinyekuwa. Et de toute cette grande armée du ciel. Yenye kuwa jeshi kubwa la mbingu. Et il a dit, ne pleure pas Jean. Akasema usilie Yohane. 175. La grâce de Dieu. Neema ya Mungu. Amen. Amen. 176. Ne sois pas affligé, Jean. Apana kulemewa, ne pleure pas. Apana kulia. Car le lion de la tribu de Judas, Simba wa kizazi kia Yuda, le rejeton de la postérité, le rejeton de la postérité de David, kizazi kichipulizi na uzao wa Daudi, il a prévalu. Alishinda. Il a prévalu. Alishinda. Amen. Amen. Il explique maintenant prévaloir c'est quoi. Sasa hapa nafasiria kushinda ni nini. Prévaloir. Kushinda. Ça veut dire mana yake, lutter contre et vaincre. Kupambana na fulani na kushinda. Ok. Oh, hey. Au jardin de Gethsemane, kule ku shamba la Gethsemane, quand les gouttes de sang tombaient de son visage, wakati damu ilikuwa kianguka kuuso wake, il était en train de vaincre. Alikuwa akishinda. Au jardin de Gethsemane. Kule kushamba la Gethsemane. Quand les gouttes de sang. Wakati mataka ya damu. Tombaient de son visage. Ilikuwa ikianguka toka uso wake. Il était en train de vaincre. Alikuwa akishinda. Le lion. Simba. Le rejeton de David. Kichipulizi kia Daudi. A prévalu. Alishinda. A vaincu. Alishinda. Amen. 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 Amina. Là, je peux sauter. Ile naweza kuluka. 181. Mais quand Jean s'est retourné pour regarder. Sasa wakati hey. Yohana aligeuka juu ya kuangalia. On avait parlé du lion. Tulisemea kuhusu simba. Quand il s'est retourné pour regarder. Wakati Yohana aligeuka juu ya kuangalia. Il a vu un agneau. Akaona mwana kondo. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema, comme c'est différent d'un lion. Mwana kondo ni mwenye kuachana kabisa na simba. Il avait dit le lion a prévalu. Alisema simba alishinda. Vous voyez? Unaona? Encore là, je pourrais le dire. Na hapa naweza kuisema. Dieu, Mungu, caché dans la simplicité. Mwenye kujificha munyenyekevu. C'est un lion. Ni simba. Il est le lion de la tribu de Juda. Ni simba wa kizazi kia Yuda. Mais il se révèle comme l'agneau. Lakini anajifunua kama mwana kondo. Je caché. Mungu mwenye kujificha. Et révélé. Na anajifunua. Dans la simplicité. Munyenyekevu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi mes bien-aimés frères et sœurs. Na hivi wapendwa ndugu na dada. Personne d'autre. Akukukua mtu mwingine. Vous pouvez prendre le livre. Je viens de lire les prophètes pour que vous entriez dans cette ambiance, comment il explique. Tamisomea nabii ili muingie katika ile mama. C'est l'agneau qui est monté. Ni mwana kondoo alipanda. Il a pris le livre. Alichukua kitabu. Il s'est assis. Na akaikala. Il était là. Alikuwa avec le livre dans sa main. Na kitabu mkononi mwake. Dans Apocalypse chapitre 6. Katika Ufunuo sura ya 6. Il commence à briser le premier sceau. Paf! Banaanza kuvunja muri wa kwanza. Paf! Le cavalier est ça, nous verrons quand on va parler. Là, nous parlons encore du livre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'en est-il alors du livre? Wakati ilikuwa, c'est quoi le livre? Kitabu ni nini? C'est quoi le kitabu kile ni nini? Qu'en est-il de ce livre? Ni ya kile kitabu. Là, on a vu que c'est un livre mystérieux. Tuliona kama ni kitabu kia siri. Et nous parlons du mystère du livre scellé de cette sceau. C'est un livre mystérieux. Ni kitabu kia siri. Amen. Amina. Ce livre, kile kitabu, est un livre mystérieux. Ni kitabu kia siri. Ce livre, kile kitabu, c'est le livre de vie. Ni kitabu kia levi. Ce livre, kia uzima, c'est le livre de vie. Ni kitabu kia buzima.
Amen. Amina. Ce livre, kile kitabu, c'est le livre de vie de l'agneau. Ni kitabu kia buzima ya mwana kondo. Le même livre, kile kitabu kile, c'est le livre de la rédemption. Ni kitabu kia ukombozi. Le même livre là, kile kitabu kile, c'est le titre de propriété. Ndiye mikanda ya kienyeji. Il est un livre mystère. Ni kitabu kia siri. Papa me dit ce livre. Ndugu mnana wasema kile kitabu, c'est la Bible. Ni Biblia. Ce livre, kile kitabu, c'est le Nouveau Testament. Ni agano dipya. Donc c'est un livre mystérieux. Amen. C'est ce que nous voyons. Frère Branham dit, nous avions vu ça la semaine, je lis rapidement parce que beaucoup n'étaient pas là. C'est un livre mystérieux. Il dit anasema qu'il est écrit, on a écrit dans ce livre de façon mystérieuse. Asema il indikio mkile kitabu kile munamuna moya ya kisiri. Aimez-vous les prophètes? Et tu m'en penses dans la Bible? Amen. Amen. Nous allons beaucoup lire dans la brèche parce que c'est là où il parle vraiment de Apocalypse chapitre 5. Tout à soma katika mobile nyoku ito apengo ju pale njo penya na semia kabisa kuhusu kitabu. Alors dans la brèche, katika mobile nyoku ito apengo, entre la brèche entre les sept âges de l'église et les sept sceaux, pengo kati ya vizazi saba vya kanisa na miuri saba. Nous allons lire le paragraphe 37. Tout à soma qui fungo salasini na saba et 38. Na salasini na nane. Bon, nous lirons même 39. Tout à soma ta salasini na. Le paragraphe 39 il montre vraiment que c'est un livre mystérieux. Niku salasini na tisa njo na fasiria namna gani kitabu. Mais 37 il montre comment le livre. Lakini ku salasini na saba anaonesha namna gani kitabu kilifunguliwa. Suivez. Fuateni. Bon, ça vous voyez. Unaona le mystère de ce livre. Siri ya kile kitabu. Le mystère de ce livre scellé de sept sceaux. Siri ya kile kitabu kenye kuchapiwa na miuri saba. Sera révélé. Kitafunuliwa. Quand le message du septième ange sera proclamé. Itafunuliwa wakati ujumbe wa malaika wa saba itatangaziwa. Ça c'est la précision qu'on nous donne. Ile ni banatuonesha waziwazi wahakikisho banatupatie. Le mystère de ce livre scellé de sept sceaux. Siri ya kile kitabu kenye kuchapiwa na miuri saba. Ce mystère sera révélé. Ile siri itafunuliwa. Quand le septième ange de l'église sera proclamé. Quand le septième ange de l'église, quand le message du septième ange de l'église sera proclamé. Wakati ujumbe ya malaika wa saba wa kanisa itatangaziwa. Amen. Amen. C'est très clair là-bas. Voyez? Mnaona? Bon, voyez-vous? Mnaona? Le mystère de ce livre scellé de sept sceaux. Siri hiki kitabu kenye kuchapiwa na miuri saba. Révélé. Itafunuliwa. Quand le message du septième ange. Wakati ujumbe wa malaika wa saba. Sera proclamé. Itatangaziwa. Voyez? Naona? Le septième ange. Malaika wa saba. Commence à sonner de la trompette. Ananza kulilisha baragumu. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit. Na tazameni ujumbe yenyewe iliandikiwa. Amen. Amen. Voilà les messages qui ont été mis par écrit. Tazameni ujumbe hapa iliandikiwa. Là, pale, et nous les avons. Na tuko nayo sous forme de bandes, mu maganda, et sous forme de brochures. Na vitabu vya mahubiri. Amen. 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 Amina. Le message du septième ange. Ujumbe ya malaika wa saba. Amen. Amina. Amen. Amina. Ce message qui a été mis à l'écrit, nous les avons. Nous avons les différents messages qui constituent le message de Frère Branham. Le message de Frère Branham, c'est beaucoup de messages là-dedans. Il y a beaucoup de mystères. Nous les avons aujourd'hui sous forme des bandes et des brochures. Est-ce que vous croyez cela? Et tu m'amini ile? Quand vous croyez, vous lisez la brochure, vous lisez le message du septième ange. Wakati unasoma kitabu kya mahubiri, unasoma ujumbe wa malaika saba. Vous êtes en train d'entendre d'écouter le message du septième ange. Wakati unasikia sauti la voix de Dieu, unasikia sauti ya malaika wa saba. Amen. Amen. Maintenant, remarquons bien. Sasa hapa tazameni mzuri. Le livre, kitabu du mystère de Dieu, kya siri ya Mungu, n'est pas révélé. Akijafunuliwa
tant que le message du septième ange n'a pas été proclamé. Wakati yote ujumbe ya malaika wa saba itakuwa haijahubiriwa. Donc, vous voyez que je répète pour que toute confusion soit dissipée. Munaona niko narudiria njoo ya kuchanganyikwa kote kuondoshwe. Quelqu'un peut sortir et vous dire, je suis aussi un messager. Si c'était, c'est Franck ou qui comme ça, il n'est pas de cet aimant. Non. Apana. Il n'est pas qualifié. C'est seulement le septième ange. J'aime beaucoup l'attitude même de Joseph Branham. C'est un prophète, frère Branham a parlé de Joseph Branham. Donc Branham a laissé mais à cause Joseph Branham. Que Joseph Branham est prophète. Nana na mine comme Joseph Branham ni nabi. Mais il n'est pas le messager. Lakini ashina mujumbe. Il n'est pas le prophète messager. Ashina nabi mujumbe. Lui quand vous lui posez la question, il vous ramène à au message. Il dit va aller lire. Yeah, comme le message c'est ce que frère Branham a dit. Anakurudisha mujumbe vile ndugu Branham alisema. Il connaît sa place. Anajua fwashi yake. Amen. Amen. Le mystère du livre. Siri ya kitabu. Le mystère. Siri. Même le livre du mystère de Dieu. Kitabu kia siri ya Mungu. N'est pas révélé. Akija funuliwa. Tant que le message. Wakati yote ujumbe. Du septième ange. Ya malaika wa saba. N'a pas été proclamé. Itakuwa ija bado toweka. Oh non. En tout cas j'ai lu le livre de Ellen White. Elle a lu beaucoup. Je... Eden White. Moi aussi, je lisais beaucoup Eden White. Nami nilikuwa nasoma sana ule Eden White. Oh, tu as lu. Elle a écrit beaucoup. Et quand elle a écrit comme ça, na wakati alandika vile, elle pouvait expliquer des choses. Aliweza kufasiria bitu. Mais tant que le message du septième ange n'était pas proclamé, malgré ce que les autres ont écrit, ujumbe ya malaika wa saba ilikuwa haijatangaziwa. Le livre est toujours scellé. Ingawa hivi vyote vingine baliandika kitabu kile kilikuwa paka kenye kuchapiwa. Mais quand lui, lakini wakati proclame son message, malaika wa saba anatangaza ujumbe wake, les mystères sont révélés. Pale masiri inafunuliwa. Et malgré la révélation, na aizuru ufunuo, il y a toujours un élément surnaturel. Je vais vous lire, frère Branham dit. D'ailleurs, ce livre de rédemption ne sera pas parfaitement compris. Mais c'est un livre mystérieux. Ni kitabu kia siri. Un mystère, siri, c'est une vérité ni ukweli, qui a été d'abord cachée, yenyewe ilifichwa kwanza, qui est révélée, kisha inafunuliwa. Et malgré la révélation, na aizuru ufunuo, il y a toujours un élément surnaturel. Kia kiro. Ça ne devient pas facile. Ce n'est pas la mathématique, ce n'est pas l'arithmétique. Aina esabu wala arithmétique. Non. Apana. Ça, ce sont des mystères. Hii ni masiri. Si vous comprenez, dites grandement amen. Kama unaelewa sema amina kubwa. Dites encore amen. Sema amina tena. Dites amen de façon à chasser les démons. Sema amina mnamna kufukuza mandemona. Amen. Amen. Suivez les prophètes. Fuate nabi. 38. Ces points seront importants dans les sceaux. Imanuta itakuwa ya maana katika miuri. J'en suis sûr parce que cela tout cela parce que tout cela doit se tenir. Niko na kikisho njoo bile biote binapasha kuingiana. 39. 39. Oh, il est écrit de façon mystérieuse. Japo imeshaandikiwa mwanamume na kisiri. Aucun homme nulle part. Hakuna hata mtu mmoja fasi fulani. Anajua. Dieu seul. Mungu peke yake. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Vous voyez? Unaona? Bon. Sawa. Amen. Amen. Bon, mais c'est un livre. Ni kitabu. Un livre mystérieux. Ni kitabu kia siri. C'est le livre de la rédemption. Ni kitabu kia ukombozi. Nous verrons cela un peu plus tard. Tutaona ile baadaye. Or nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Na hapa tunaona kama kile kitabu kia ukombozi kitaeleweka kabisa. Il sera sondé. Kitachunguzwa.
au cours des six âges de l'église, mais à la fin, quand le septième ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées. Il est resté en suspens. Et les mystères descendent d'auprès de Dieu en tant que la parole de Dieu. Et il révèle l'entière révélation de Dieu. Alors la divinité et tout le reste c'est réglé. Ces mystères descendent sous forme de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et règle et révèle la divinité et tout le reste. Révèle l'entière révélation de Dieu. Alors la divinité et tout le reste c'est réglé. Tous les mystères, la semence du serpent et tout le reste doivent être révélés. Quand on dit tous les mystères doivent être révélés, ça veut dire quoi? Quand on dit tous les mystères doivent être révélés, ça tous les mystères doivent être révélés. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ça, je ne vais pas reprendre le tout parce que je vois l'heure avance. C'est un livre des mystères. Amen. Amina. Le livre des mystères. Kitabu Kiasiri. Vous devez quand même lire ça aussi, c'est aussi bien. Bon. Tassoma, quoi il est bah, vous le lirez. Il est un livre de mystère. Nikitabu Kiasiri. Amen. Amina. C'est le livre de vie. Nikitabu Kiauzima. Ça pour ce qui est du livre de mystère, je n'ai lu que. Je n'ai repris que la brèche. Mais pendant la semaine, nous avions lu dans Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui pour toujours. Prêché le 6 août 1955. Qui était là et qui avait noté? Qui n'était pas là? Mais qui était là? Mais on avait déjà vu, dans la pensée, c'est la même pensée. Au lieu de... Parce que si je vais comme ça reprendre le tout, on ne va pas avancer. Nous avions aussi lu dans Apocalypse chapitre 5. Première partie. Paragraphe 179. Et puis nous avions aussi lu... je ne sais pas si nous avions... Monsieur, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 303 nous avions lu ça pendant la semaine. Amen. Amen. Alors on peut avancer. C'est le livre de vie. Là aussi, je ne vais pas tout lire. Prenons la brèche. Paragraphe 149-150, nous avions lu, mais je lis quand même. Pour chaque, c'est un livre de vie, j'ai dit une déclaration, c'est un livre de la rédaction. Ici nous montre que c'est le livre de vie. Dans la brèche, paragraphe 149, 150, 272. Maintenant, rappelez-vous, relisons le premier verset pour que nous les ayons ensemble. Il tue na yote pamoja. Le premier et le deuxième. Ya kwanza na ya pili. Quand on dit il y avait un livre dans la main droite de celui qui était sur le trône. Wakati banasema kulikuwa kitabu kimoja katika mkono yule alikuwa pakiti ya ufalme. J'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Asema nikaona katika mkono wa kumi ya mwenye alikuwa kikala pakiti ya ufalme. Paragraphe 150. Kifungo 150. Dieu. Mungu. Qui est? Nani ule? Le détenteur absolu du livre de vie. Mwenye kuwa na kitabu kia kweli kia buzima. C'est lui le détenteur. Yenjo mwenye nakyo. Le propriétaire originel. Mwenye nakyo wa kweli. Ah, le détenteur, c'est lui qui détient ça. Yenjo alikuwa na kile kitabu. Il le détient. E
Dieu le détient. Mungu ekonaki. Quand Adam l'a perdu, wakati Adam alikipoteza, il est retourné à son propriétaire originel. Kilirudia kwa mwenye nake wa kumwanzo. Il lui appartient. Ni kiake. Puis, kisha, Jean, Yohane, dans la vision, katika ono, regarda et vit dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Aka angalia katika mkono ya kumi ya ule alikuwa mwenye kuikala pakiti kia ufalme. Un livre écrit en dedans et en dehors. Kitabu kenye kuandikiwa ndani na nje. Na kenye kuchapiwa na miuri saba. Amen. 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 252. 152. Ne le savez-vous pas? Asema yete mjue ile. Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Amujue ya kama watakatifu watamua dunia. Dans Daniel, c'est Daniel 7, 10. Katika Daniel, saba mstari wa kumi, il dit le jugement s'assit. Asema ukumu, et les livres furent ouverts. Na kitabu kikafunguliwa. Et des myriades de milliers le servaient. Na kulikuwa maelfu na maelfu. Le roi. Wafalme. Et la reine. Na malikia. Oh. Hey. Un autre livre fut ouvert. Kitabu kingine kikafunguliwa tena. Celui qui est le livre de vie. Kenye kuwa kitabu kia buzima. Celui-là c'est pour l'église. Na kile kitabu ni kia kanisa. Et la reine et le roi s'étenaient là. Na malikia na mufalme balikuwa pale. Donc ce livre. Manake ki kitabu. Est un livre de vie. Ni kitabu kia buzima. Amen. Amen. Dans le premier saut, il dit, katika muri wa kwanza anasema, paragraphe 33, kifungo 33, il dit, vous voyez, anasema munaona, en fait, le livre a été préparé, basi kitabu kilitayarishwa, et écrit, na kinandikiwa, avant la fondation du monde, mbele ya kumbiwa kwa dunia. En réalité, kwa ukweli, ce livre-ci, iki kitabu iki, la Bible, Biblia, a été écrit avant la fondation du monde. Iliandikiwa mbele ya kumbiwa hata kwa dunia. C'est le livre de vie. Jo kitabu kia buzima. C'est la Bible. Ni Biblia. Ce livre. Iki kitabu. A été écrit. Kiliandikiwa. Avant la fondation du monde. Mbele ya kumbiwa kwa dunia. Quand Dieu n'avait même pas encore fondé la. Wakati Mungu alikuwa shija umba hata dunia. Le livre était déjà écrit. Kitabu kilikuwa kimeshaandikwa zamani. Et même nos noms. Hata majina yetu. Ont été écrits dans le livre. Iliandikiwa ndani ya kitabu. Avant la fondation du monde. Mbele ya kumbiwa kwa dunia. Avant même que Dieu ne crée, mbele hata Mungu aumbe, nous ne puissions exister, mbele hata ashe kuwako, nos noms étaient déjà dans le livre. Majina yetu ilikuwa mkitabu. Amen. 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 Il dit, et Christ, na anasema Kristo, comme il est l'agneau, sawa vile ni mwana kondo, il a été immolé, alichinjwa, avant la fondation du monde, mbele ya kumbiwa kwa dunia. Christ est là. Christ ule. Ce n'est pas seulement au calvaire. Aina paka ku calvaire. Il était déjà immolé. Alikuwa mwenye kuchinjwa zamani. Il était déjà mort dans la pensée de Dieu. Alikuwa amesha kufa katika mawazo ya Mungu. Immolé bien avant la fondation de Dieu. Alikuwa mwenye kuchinjwa kusulubishwa mbele ya hata mawazo ya Mungu. Si vous comprenez, dites amen. Kama unaelewa sema amina. Amen. Amen. Il dit, anasema, et na, les membres de son épouse, na biungo wala wa memba wa biharusi wake, majina yabo, ont été écrits dans le livre de vie, iliandikiwa katika kitabu kia uzima, dans le livre de vie de l'agneau, katika kitabu kia uzima kia mwana kondo, avant la fondation du monde, mbele ya kumbiwa kwa dunia. Voyez, mnaona, c'est un livre mystérieux, ni kitabu kia siri, c'est le livre de vie, ni kitabu kia uzima, c'est la Bible. Ni Biblia, c'est le livre de vie de l'agneau. Ni kitabu kia buzima kia mwana kondo. Dans lequel sont écrits les noms des membres de l'épouse de Jésus-Christ. Ambamo munaandikiwa majina ya wa memba wa bibi harusi wa Yesu Kristo. Les membres de son épouse, wa memba wa bibi harusi wa, leur nom, majina yabo, ont été écrits, imeshaandikiwa, dans le livre de vie de l'agneau. Katika kile kitabu kia uzima kia mwana kondo. Avant la fondation du monde. Mbele ya kumbiwa kwa dunia. Là, je suis en train de lire dans le premier saut. Hapa niko nasoma katika muri wa kwanza. Seulement, lakini tu, le livre, il était scellé. Kitabu kilikuwa kenye kuchapiwa. Amen. Amen. Le livre était scellé. Kitabu kilikuwa kenye kuchapiwa. Et maintenant, na sasa, il est en train d'être révélé. Kiko nenda mkufunuliwa. Ceux dont les noms étaient à l'intérieur, bale benye majina yabo ilikuwa ndani, tout ce qui s'y rapporte, bale bote banambatana. Oh, et c'est comme c'est glorieux. Ini ya utukufu.
Et Jean en voyant ça, na Yohane mukuona ile, il a dit, akasema, tout dans le ciel, biote minguni, tout sur la terre, na biote duniani, tout l'a entendu dire amen. Biote mikamusikia kusema amina. Quand le livre, wakati kitabu, quand l'agneau a pris, wakati mwana kondoo a commencé à briser, ananza kuvunja, Jean, Yohane, quand il a entendu, pala lisikia, il a dit amen. Akasema amina. Vous aussi, si vous êtes du livre, na wewe kama uko kama uko mkitabu, si votre nom est écrit, kama jina yako iko ndani ya kitabu, quand on vous donne le contenu du livre, wakati banakoresha benye kuwa mkitabu, vous ne pouvez pas rester tranquille, hauwezi kuikala kimya, vous ne resterez pas calme, hautekala kimya, vous allez dire un amen vigoureux, unapasha kusema amina ya nguvu. Amen. Amen. Les enfants de Dieu poussent des amen. Batoto ya Mungu banasemaka amina. Amen à la parole. Banasemaka amina kuneno. Parce que ça les concerne. Quand on prêche, ils sont là. Juina beleke. Ils ont la stimulation. Kama beko na ubiri beko na chemushwa. C'est un vin nouveau. Ii ni vinyo mupya. Le vin stimule. Vinyo iko na chemusha. Quand vous prenez ce vin, wakati unakunywa vinyo, vous êtes ivre. Unalewa. Oh, c'est la révélation, la stimulation. Pale ni ufunuo kule kuchemushwa. À la Pentecôte, ils étaient là. Ils Pentecôte, étaient là. Mais les gens ont dit qu'ils sont ivres. Lakini batu bakasema kama banalewa. Ils ne sont pas ivres de vin doux. Petro kasema balewe vinyo. Mais c'est la promesse du Père. Lakini ni maadi ya Baba. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Quand je sens que je suis concerné, wakati nasikia kama naelekewa, quand on proclame, wakati banatangaza, le contenu du livre, benye kuwa mkitabu, un élu de Dieu, mteule wa Mungu, dont le nom est dans le livre, wenyewe jina yake kwa mkitabu, il se sent concerné, anaelekewa, il est convaincu, il dit ça c'est moi, anaelekewa, anasema hii ni mimi, anakikisha, quand il dit amen, wakati anasema amina, il dit présente, il répond à son à l'appellation. Eko na itika présent, eko na itika kujina yake nye na itwa. Oh, hey. Jean voit ça. Yohane mkona. Il a dit tout dans le ciel. Akasema biote mbinguni. Tout sous la terre. Biote padunia. Tout l'a entendu. Biote bikasikia. Amen. Bikamsikia kusema amina. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Alléluia. Amen. Il passait vraiment un moment béni. Alikuwa anapitisha wakati mwenye kubarikiwa. L'agneau était digne. Juu mwana kondo alistahili. Amen. 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 Maintenant on nous a parlé. C'est le livre de vie. Sasa si bali tobie kama ni kitabu. C'est le livre de vie de l'agneau. Kia uzima kitabu kia uzima kia mwana kondo. On a posé la question à frère Bala. Hapo bali muuliza walimtoa swali ndugu Bala. Je vais encore répéter ça parce que beaucoup n'étaient pas là. Tulisemea mujuma ntairudilia tena juma tumingia bakuku hapo. On pose à frère le livre de vie. Et le livre de vie de l'agneau. C'est le même livre ou bien ce sont deux livres différents? La question et réponse sur les sceaux. Katika maubiri yenye kuita ulizo na jibu juu ya miungu. 24 mars 1963. Yenye lubiri wa tarehe 4 mwezi wa 3 mwaka 63. C'est la question 7e, la 7e question. Ni ulizo ya 7. Frère Branham, Ndugu Branham, le livre de vie de l'agneau et le livre de vie, na kitabu kia uzima, est-ce le même livre? Eti ni kitabu kimoya? Il dit bien sûr. Anasema ndio. Bien sûr. Kabisa. Vous voyez? Unaona? Parce que c'est là que tout ce qui concerne la rédemption est écrit. Asema njo mule mwenyewe mambo yote yenye kuelekea ukombozi imeshaandikwa. Dans ce livre. Katika kitabu kile. Voyez? Naona? Leurs noms sont à l'intérieur. Majina yabo iko ndani. Vous dites eh bien. Unasema basi. Notre nom a été mis dans le livre. Jina yetu liandikiwa mkitabu. De vie de l'agneau frère Branham. Kitabu kia buzima kia mwana kondoo ndugu Branham. Il y a été mis l'autre soir. Iliandikiwa mo magharibi ngine ile. Il dit pas du tout. Asema hapana. Pas du tout. Hapana. Vous avez seulement appris qu'il y était l'autre soir. Muli jifunza tu ya kama ilikuwa amo mangaribi ilipita. Quand tu as cru, tu dis, ah, mon nom était là. Na, mais il n'a pas été écrit quand tu l'as appris. Ni pale. Il a été écrit bien avant la fondation. Aida mwakati ro lijua kama nina kule andikiwa monjo iliandikiwa kambele hata ya dunia kumbiwa. Vous avez seulement appris qu'il y était l'autre soir. Asema wali sikia to asema jina yako yuko amo mangaribi ingine ile ilipita. Leur nom. Juma jina yabo. Ont été écrit. Iliandikiwa. Avant la fondation du monde. Mbele ya kumbiwa kwa dunia. Vous voyez. Unaona. C'est tout cela. Jo ile. C'est
le même livre. Ni kitabu kimoya kimoya kile. C'est un livre mystérieux. Ni kitabu kia siri. C'est le livre de vie. Ni kitabu kia buzima. C'est le livre de vie de l'agneau. Ni kitabu kia uzima ya mwana kondoo. C'est la Bible. Ni Biblia. Amen. Amina. C'est aussi le livre de la rédemption. Na tena ni kitabu kia ukombozi. Amen. 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 Oh. Hey. C'est le livre de la rédemption. Ni kitabu kia ukombozi. Parce que tout ce qui est écrit là concerne la rédemption. Bina elekea ukombozi. Amen. Amen. Non seulement que c'est le livre de la rédemption. Aina tu kusema kama ni kitabu kia ukombozi bure. C'est aussi le titre de propriété. Ni tena mikanda ya kienyeji. Amen. Amina. Le même livre. Kile kitabu kimoya. C'est le titre de propriété. Ni mikanda ya kienyeji. Il devient aussi le titre de propriété incontestable. Inakuwa tena mikanda ya kienyeji ya kweli yenye haiwezi kubishwa. Amen, amen, amen. Amina. Amen. 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 Le titre de propriété incontestable. Mikanda ya kienyeji yenye haiwezi kushakiwa. C'est le livre de la rédemption, lisons. Ni kitabu kia ukombozi tusome. Dans la brèche. Katika mobile yenye kuitwa pengo. Paragraphe 118. Kifungo 150 118. Tunaweza kusoma hadi 120. Vive. Mfuateni. Qu'est-ce que ce livre de la rédemption? Ni nini ki kitabu kia ukombozi? Ce titre de propriété. I mikanda ya kienyeji. Ce titre de propriété incontestable. I mikanda ya kienyeji si eshakiwa. Voyez comment il. Munaona? Livre de la rédemption. Kitabu kia ukombozi. Propriété. Mikanda ya kienyeji. Ce titre de propriété incontestable. Mikanda ya kienyeji si eshakiwa. Vous dites incontestable. Unasema si eshakiwa. Ça veut dire quoi? Maana yake nini? Ça veut dire maana yake une recherche approfondie a été faite. Balitafuta kwa kilindi. On est remonté jusqu'à son origine. Na balipanda paka kwenye kile kitabu kilitokea. Comme cette petite goutte d'encre de ce matin. Sawa hii nanga kidogo ya asubuhi ya leo. Donc le matin quand il parlait. Asubuhi wakati alikuwa anasema. Il avait prêché sur Dieu caché révélé dans la simplicité. Alihubiri mahubiri yenye kuita Mungu mwenye kujificha na kujifunua katika unyenyekevu. Il parle du détergent. Eko nasemea kuhusu sabuni. Qui connaît le détergent? Nana najua sabuni. Qui peut me donner les noms, les sœurs connaissent différents noms de détergents? Nana naweza nipatia jina ya sabuni moja fulani. Javel. Javel. Détol. Détol. Il y a des détergents comme ça. Kuko ma sabuni ya vile. S'il y a une tache même sur la chemise. Kama uko nataka mwe atapa cheti. Les enfants, la chemise d'uniforme, les enfants de chemise blanche. Matoto, quand il y a une tache, vous charti, allez mettre ça dans le javel. Sharti yake ya kushule kama inapata taka, unaweza kuingiza mujavel. Ndugubrana manasema. C'est comme ça aussi. Le sang de Jésus est un détergent. Jo vile pia damu ya Yesu ni sabuni. Amen. Amina. Quand vous confessez le péché, wakati unakiri zambi, il tombe dans le sang de Jésus. Inangukia mudamu ya Yesu. C'est renvoyé à son propriétaire original. Inarudia kule ritokea. On ne peut plus voir ça. Auwezi tena kuiona. C'est ça qu'il explique ici. Jo kila nafasiria hapa. C'est comme cette petite goutte d'encre de ce matin. Iko sasa quand elle est tombée dans les décolorants. Itaka kidogo yenye wakati ilianguka muile yenye kuua rangi. Elle est retournée jusqu'à son origine. Ilirudia kule litokea. L'origine du péché c'est où? Zambi natokea kwa wapi? Satan. Inarudia kwa shetani. Le sang de Jésus vous lave prend tous les péchés là allez. Damu ya Yesu inakuosha na inachukua dhambi yote na rudisha. Amen. Le péché retourne à son origine. Zambi narudia kwa mwenye nayo. Retourne à ton origine. Na onenda kwa mwenye na wewe. Tu es venu de Dieu, tu vas retourner à Dieu. Ulitokea kwa Mungu na utarudia kwa Mungu. Hallelujah. Amen. Le péché n'est pas du ciel, que le péché rentre chez Satan. Zambi haina ya kumbingu na zambi na murudiria shetani. Et le diable va se retrouver avec ses péchés en enfer. Na shetani atajikuta na mazambi yake mungena. Mule mumangaiko. Chacun a son origine. Kila mtu yuko na kula litokee. Le retour à l'origine. Kurudia kwenye kule natokea. Amen, amen, amen. 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 Alors il dit. Sasa nasema. Quand le péché a été confessé. Wakati zambi ilitubiwa. Et qu'il est tombé dans le sang de Jésus-Christ. Na iliangukia katika damu ya Yesu. Oh là là. Oh my. Ça
ça produit un titre incontestable. Vous retournez tout droit au Créateur. Vous devenez un fils de Dieu. Les titres de propriété incontestables et entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Oh là là! Oh my! Sa rédemption. Ukombozi wake signifie mana yake la possession légale kuchukua mwalali et complète na kwa ukweli de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Kwa biote bile bilipotezwa na Adam na Eva. Tout ce que Adam a perdu. Biote bile Adam walipoteza. Adam et Ève ont perdu. Biote bile Adam na Eva walipoteza. Alléluia. Amen. Quand vous confessez vos péchés, wakati unakiri zambi yako, le sang de Jésus vous lave. Damu ya Yesu inakuosha. Vous retournez à Dieu. Unarudia kwa Mungu. Vous entrez en possession de tout ce qu'Adam avait perdu. Unachukua biote bile Adam walipoteza. Dieu vous donne le titre de propriété incontestable. Mungu anakukaburia mikanda ya kienyeji si yashakiwa. Saint-Esprit. Anakupatia Roho Mtakatifu. Vous avez droit à tout ce que Jésus a racheté. Pale huko na sheria kwa biote bile Mungu alikomboa. Toutes les bénédictions rédemptrices c'est votre propriété. Mabaraka yote ya ukombozi ni yako. Tout ce pourquoi Jésus est mort. Biote bile Yesu alikufia. Si par ses meurtrissures, kama kwa vidonda vyake, nous sommes guéris, tumeshaponeshwa, toi avec le titre de propriété, wewe na mikanda ya kienyeji, un démon qui te dérange, uko na démon na mwenye kufuruka, démon na mwenye kuhangaisha, dis-lui Satan, mwambie shetani, je suis un fils de Dieu, niko mwana wa Mungu, j'ai le titre de propriété, niko na mikanda ya kienyeji, j'ai le Saint-Esprit, niko na Roho Mtakatifu, tu n'as pas de droit sur moi, hauna na sheria yangu, Jésus a payé le prix, niko, je t'oblige, na kulazimisha, au nom de Jésus, mujina la Yesu. Allez, wende. Satan doit partir. Satan n'a pas sa kutoka. Il doit partir. Ana pas sa kutoka. Il doit partir. Ana pas sa kutoka. Dites, tu dois partir. Mwambie sema unapasha kutoka. Tu dois partir. Unapasha kutoka. Satan, tu dois partir. Satan unapasha kutoka. Malédiction, tu dois partir. Laana unapasha kutoka. Maladie, tu dois partir. Magonjwa unapasha kutoka. Blocage, tu dois partir. Mifungo unapasha kutoka. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a prévalu. Ju Yesu alishinda. Il m'a donné le titre. Alinipatia mikanda. Je suis un possesseur. Niko mwenye nayo. Je suis un héritier de Dieu. Niko murithi wa Yesu. Niko héritier avec Jésus. Niko akurithi pamoja na Yesu. Je suis fils de Dieu. Niko mwana wa Mungu. Racheté par le sang. Mwenye kukombolewa na damu ya Yesu. Alléluia. Amen. Si vous êtes le fils de Dieu, dites un grand amen. Kama uko mwana wa Mungu, sema amina kubwa. Dites alléluia. Sema alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Suivez, suivez. Je vais atterrir maintenant. Mufuate napenda kumaliza. Bien. Sawa. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. La rédemption. Ukombozi signifie maana yake la possession légale kuchukua mkialali et complète kushika mkialali de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Ya biote bile bilipotezwa na Adamu na Eva. Oh là là. Oh là là. Quel effet matokeo kani cela devait faire à un chrétien de nouveau. Ile lipasha kufanyika kwa Mkristo mwenye kuzaliwa mara pili. Wakati anasikia hili. Tu dois être comme Jean. Unapasha kuwa kama Yohana. Tu dois pousser na mène vigoureux. Unapasha kusema amina ya nguvu. Quel effet. Iko natoa nini? Frère, qu'est-ce que ça te fait ça? Nduku iko nakufanya je? Qui est né de nouveau ici? Nani ameshazaliwa upya hapa? Qu'est-ce que ça te fait? Iko nakufanya je? De savoir que tu possèdes. Kujua kama usha kushika. Tout ce que Adam a perdu. Biote bile Adam walipoteza. Amen. C'est la possession légale. Ni kushika mwalali. Amen. Amen. Quel effet cela devrait faire à un chrétien de nouveau? Ile ni matokeo kani ilipacha kufanya kwa Mkristo mwenye kuzaliwa. La possession légale du titre incontestable. Kushika halali ya mikanda ya kienyeji. Du titre de propriété. Mikanda ya kienyeji. Qui donne droit à la vie éternelle. Yenye kuleta haki kuzima wa milele. Cela signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Ile ni kusema unashika biote bile Adamu na Eva balipotezaka. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Qu'est-ce que vous dites de ça, frère? Uko unasema nini kuhusu ile la possession de cet acte? Kushika ile mikanda. Adam ne pouvait pas satisfaire aux exigences de la rédemption. Adam wasikuenesha makanuni ya ukombozi. Après qu'il a vu
qu'il était perdu. Il avait péché. Il s'était séparé de Dieu. Il était de ce côté-ci de l'abîme. Alors il ne pouvait pas le racheter. Il ne pouvait absolument pas le faire. Parce que lui-même avait besoin de la rédemption. Mais la loi exigeait un parent rédempteur. Alléluia. Amen. Il dit, nous n'avons pas le temps d'étudier tout cela à fond. Effectivement, nous n'avons pas le temps. Amen. Amen. C'est le titre de propriété incontestable. Maintenant, Sasa, je vais lire deux déclarations. D'abord, dans c'est le lever qui solaire. Non, il faut que je termine avec ce lever du soleil. Je vous donne l'exemple que Frère Branham m'avait donné. Je lis d'abord dans Frère Branham prêche. Donc, William Branham prêche. Bon, je pense que je peux lire seulement tout. Bon, au lieu de deux, trois. William Branham prêche. Je vais lire dans la foi d'Abraham. Et puis termine avec c'est le lever du soleil. J'aimerais que vous compreniez cela. Napenda amen. Amina. William Branham prêche. C'est un message du 26 août 1955. Ni ujumbe nyerubiri wa tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 1956. Paragraphe 15. Kifungo 15. Frère Branham dit ceci. Donc Branham a dit. Lisez attentivement. Il nous explique. Anatufasiria. Il dit en Amérique, il y a un adage qui dit conformez-vous à l'ordre, au mot d'ordre. Asema ku Amerika kuko msemo mwa yenye kusema kama mujipange ku taratibu au msemo yenye kusemewa. Vous voyez, il donne l'exemple d'un exemple naturel que nous connaissons tous. Analeta mfano mwa kiasili yenye tunafahamia wote. Vous avez votre maison. Uko na nyumba yako. Vous avez votre parcelle. Uko na rupango yako. Vous en avez les titres. Uko na mikanda yabio. L'acte, l'enregistrement au commencement. Uko na ile mkanda ile certificat. Maintenant, Sas. Vous rentrez chez vous. On a redit à quoi? Vous trouvez des gens là chez vous. On a coupé à bantu bengine quoi? Vous faites quoi ici? Mon enfant n'y a pas. Mais toi aussi tu veux faire quoi? Na ouais on a quoi faire n'y a pas? Ça c'est une maison. Nous sommes venus habiter ici. Ini nyumba tu n'as pas mais c'est chez moi. Chez ni nyumba angui. Mais non nous habitons. Si tu te calam. Qu'est-ce que vous allez faire? On t'a fait nini? Vous irez vite en justice à la police. Utenda kutafuta police. Vous allez prouver que cette parcelle c'est votre parcelle. Pale utaonesha utashuhudia kama hii mpango ni yako. Tazameni mikanda. Sur base de ce titre, kufuatana na hii mikanda, la police va descendre. Pale police itashuka. Et obliger ces imposteurs. Kulazimisha bale batongozi. À quitter. Batoke. Ces imposteurs là bale batongozi bale doivent obéir à l'ordre. Banapasha kuti ku taratibu. Parce que selon la loi, c'est toi le propriétaire. Jukufuatana na sheria ni wenjo mwenye nayo. Même Satan. Hata shetani. Il est venu. Arikuya. Ton corps là a été racheté. Mwili wako ile ilikuwa ce n'est pas la place des maladies ou des démons. Aina fwesi ya magonjo wala bitu ya vile. Alors ces imposteurs là, ce sont des démons qui viennent. Sasa bale batongozi bale ni bandemo na tuye kunakui. Le cancer vient s'installer. Kansa inakuya inekala. Le diabète vient s'installer. Diabète inakuya inekala. L'hypertension vient. Hypertension inakuya. Mais vous qu'est-ce que vous faites ici? Sasa mwe muko nafanya nini hapa? Ça c'est mon corps. Hii ni mwili yangu. Vous n'avez pas droit d'être ici. Amuna na sheria kuwa hapa. Non, nous voulons rester. Shie tunapenda kubakia. Eh! Je vais invoquer. Mitaita. Alléluia. Amen. Le juge suprême. Taita mwamzi mkubwa. Et il va envoyer la police céleste. Na atatuma police ya mbingu. Le Saint-Esprit. Rom takatifu. Quand il descend. Wakati anashuka. Il va obliger ces démons à s'en aller. Atalazimisha ile mandemona kutoka. Satan, tu dois respecter le titre de propriété. Shetani unapasha kuheshimia mikanda ya kienyeji. C'est ça, vous avez compris la pensée? Munaelewa wazo? C'est ça que j'explique là, c'est ça. Jo ile ni kunafasiria hapa.
pour que chacun, quand nous allons nous lever, wakati tutashimama, appeler le juge suprême. Tous les démons qui sont là, qui ce n'est pas leur place. Toi, pourquoi tu m'empêches d'avoir des enfants? Démons de stérilité. Pourquoi tu es là? Au nom de Jésus. Mutina la Yesu. Alléluia. Amina. Dites. Sema. Ce matin. Asubuya leo. Ma souffrance est terminée. Mateso yangu inamalizika. Amen. Ce matin. Asubuya leo. Mon problème a trouvé une solution. Mambo yangu inapata jibu. Pourquoi? Jianini. J'ai le titre de propriété. Niko na mikanda ya kienyeji. J'ai le titre de propriété. Niko na mikanda ya kienyeji. Le titre de propriété. Mikanda ya kienyeji. Tout celui-là. Ule wote. Qui occupe. Mwenye kuwa. Illégalement. Bila rusa. Ma place. Fwashi yangu. Mon corps. Mwili wangu. Qui a pris mes biens. Mwenye alichukua mali yangu. Qui a pris mes richesses. Mwenye alichukua butajiri wangu. Aujourd'hui. Leo. Le juge suprême. Mwamzi wa juu. Va me remettre dans mes droits. Atanirudishia maaki. Je vais reprendre mes biens. Tachukua. Je vais reprendre ma santé. Tachukua bitu yangu, tachukua afya yangu. Pas demain aujourd'hui. Apana kesho leo. Pas demain aujourd'hui. Sema apana kesho leo. Apana kesho. Lakini leo. Pas demain. Apana kesho. Maintenant. Lakini hapa sasa. Maintenant. Hapa sasa. Maintenant c'est quand? Hapa sasa ni wakati gani? Ni hapa sasa. Alléluia. Amen. Alors, sasa, j'ai expliqué, suivez bien les prophètes. Alléluia. Amen. Suivez bien. Mfate nabi. Dans William Branham prêche. Katika mwabire nye kuita William Branham ego na ubi. Kifungo 15. C'est un message du 26 août 1955. Ni ujumbe ya tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka 56. Amen. Amen. Paragraphe 15. Kifungo 15. Ayez foi en Dieu. Muwe na imani kwa Mungu. Ne doutez pas. Mushishakie. Il dit en Amérique. Anasema kwa Amerika. Nous avons un adage. Tuko na msemo moja. Il dit conformez-vous au mot d'ordre. Asema mujipange sawa sawa na msemo ya utaratibu. Il dit rencontrez Satan sur son propre terrain. Asema mukutane na shetani mukiwanza kyake. Et boutez-le dehors. Na mumutupe inje. Boutez-le dehors, c'est quoi? Kumutupa inje ni kusema nini? Ni kumutupa inje. Au nom de Jésus. Mujina la Yesu. Satan doit obéir. Shetani anapasha kuti. Il doit lâcher prise. Anapasha kuachiria. Il dit qu'arriverait-il? Asema ni nini ngelifika? Si en rentrant chez vous. Kama mukurudia kwako. À la maison ce soir. Mukurudia kwako kunyumba mangaribi ya leo. Vous trouvez là un grand groupe de méchantes personnes. Unakuta pale nkunji kubwa ya batu bakali. Dans votre maison. Ndani ya nyumba yako. Cassant les meubles. Beko na vunja bitu. Salissant votre maison. Beko na chafura nyumba yako. Buvant et faisant des histoires. Beko na kunywa na kufanya kanya byote. Vous ouvririez la porte et vous diriez. Utafungula mulango na utasema. Que faites-vous ici? Muko nafanya nini hapa? Ils peuvent dire. Banaweza kusema. Cette maison a été construite pour les êtres humains. Hii nyumba ilijengewa ni juu ya binadamu. Je suis un être humain. Niko binadamu. J'ai le droit d'être ici. Niko na sheria ya kuishi humu. Mais vous diriez. Lakini utasema. Un instant. Chunga mbele. Ceci m'appartient. Hii ni yangu. Vous pouvez prouver cela. Unaweza kumushudia ile. Vous allez là. Unaenda pale. Vous prenez le titre de propriété. Unachukua mikanda ya kienyeji. Et vous pouvez prouver cela. Na unaweza kumushudia ile. Alors vous présentez ce titre de propriété. Unamuonesha mikanda. Ils doivent quitter. Banapasha kutoka. Quand vous présentez le titre de propriété. Wakati unamuonesha mikanda mwenye lapango. Ils doivent quitter. Ndugu mwana masema banapasha kutoka. C'est comme ça qu'il faut présenter à Satan le titre de propriété. Je viens la peneza kumonesha shetani mikanda kenyaji. Ils doivent quitter. Na mandemo na yote kama banapasha kutoka. Quand nous allons présenter le titre de propriété à Satan. Wakati tutamonesha shetani mikanda ya kenyaji na mandemo na yote. Ils doivent quitter. Banapasha kutoka. Ils doivent quitter. Banapasha kutoka. Banapasha kutoka. Ayez foi en Dieu. Mtumainie Mungu. Amen. 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 Hey.
Je me sens très bien. Si vous dites bien, dites à votre frère. Mon frère, ayez foi en Dieu. Les démons vont partir. Ils le doivent quitter. Il n'a pas au nom de Jésus. Mon frère, ta souffrance est terminée. Mateso yako inamalizika. Dites-lui, mon frère, ma soeur, dada yangu, ta souffrance est terminée. Mateso yako inamalizika. Mon frère, yangu, ma soeur, dada yangu, ton problème, mambo yako, c'est fini. Inaisha. Mon frère, yangu, ma soeur, dada yangu, ta maladie, magonjwa yako, terminée. Inaisha. Amen. 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 Croyez seulement. Moi, mini tout. Tout est possible à celui qui croit. Yote inawezekana kwa ula na mini. Amen. Alors il dit. Anasem. Alors il dit. Anasem. Oui, madame dit. Nous prenons Anasema. Vous présentez, vous dites, hé, cela m'appartient. Il est niangu, nyumba niangu. Il dit, il doit partir. Anasema banapasha kutoka. Amen. Amen. Vous direz un instant, cela m'appartient. Utasema chunga kidoku, hii nyumba ni yangu. Vous présentez ce titre de propriété, ils doivent quitter. Unamonesha mikanda mwenye na mpango na banapasha kutoka. Sinon, ici, kama civile, les agents de police viendront les bouter dehors. Bafanya kazi ya police batakuwa kubatupa inje. Frère Bram dit, écoutez. Dubrana manasema sikien. C'est Satan qui vous cause ce mal. Ni shetani joko na mifanishia bule bubaya bote. C'est lui qui vous a donné ce cancer. Yenjo alikupatia ile cancer. C'est lui qui vous a donné la crise cardiaque. Yenjo alikupatia ile magonjwa ya moyo. C'est lui qui vous a donné toutes ces maladies. Yenjo alikupatia ile magonjwa yote. Vous êtes un fils. Uko mwana. Vous êtes une fille de Dieu. Uko binti wa Mungu. Vous avez reçu de Dieu un titre incontestable de propriété. Ulipokea kwa Mungu mikanda ya kienyeji isiyeshakiwa. Qui indique yenye kuonesha qu'il a été meurtri. Ya kama aliumizwa. Amen. Amen. Pour vos transgressions. Juu ya makosa yenu. Et que par ces meurtres. Na kupitia vidonda vyake. Vous avez été guéri. Mumesha poneshwa. La guérison vous appartient. Uponyaji ni yako. Dites la guérison m'appartient. Sema uponyaji ni wangu. Ne laissez pas le diable vous escroquer cela. Apana kuacha shetani kukorofia ile. La foi vient de ce qu'on entend. Imani iko natokea kwa binye tuko nasikia. Ce qu'on entend de la parole. Binye bile tuko nasikia kuneno. Le Saint-Esprit est l'agent de Dieu. Rom takatifu ndiye mfanyakazi wa Mungu. Il est l'agent de police de Dieu. Yeye ni mfanyakazi wa polisi ya Mungu. Il viendra le chasser. Atakuya kubatupa inje. Il viendra chasser Satan. Atakuya kumtupa shetani inje. Il viendra chasser les démons. Atakuya kutupa mandemona inje. Amen. 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 Il faut que j'arrête ici. Inapendeza nisimamie. Les autres là nous dirons ça à la réunion de prière. Hii nyingine tutaisoma kwa msani kwa maombi. Maintenant. Sasa. Dites à votre frère. Ambia ndugu yako. Mon frère. Ndugu yangu. Ma sœur. Dada yangu. Ne pleure pas. Apana kulia. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Amen. Ne pleure pas. Apana kulia. Alléluia. Amen. Pourquoi Jean a pleuré? Dieu nini ona lilia. C'est parce que Nijou, le parent rédempteur n'était pas là. Duku mkombozi sikukua kote. Nous savons aujourd'hui. Lakini tunajua leo ya kama. Le parent rédempteur. Ya kama ndugu yetu mkombozi. Ni Yesu. Le prix a été payé. Bei ilipiwa. Pourquoi ces pleurs? Dieu nini kulia. Ne pleurez pas. Hapana 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 kulia. Dites. Sema. Dites. Sema. Dites. Sema. Je ne pleure plus. Sitalia tena. Je ne pleure plus. Sitalia tena. Je ne pleure plus. Sitalia tena. Jésus, Yesu, mon parent rédempteur. Mie, ndugu yangu mkombozi. Tusimame bwima. Qu'est-ce que ça vous fait? Iko na mifanya nini? Jésus, Yesu, a pris le livre. Alichukua kitabu. Là, vous voyez. Anakutumia. Et toi, tu pleures. Dieu a dit nous qu'on a lié. Pourquoi pleurer? Dieu a dit nous qu'on a lié à tena. Sema. Pourquoi pleurer? Sema. Dieu a dit nous qu'on a lié. Sema. Pourquoi pleurer? Dieu a dit nous qu'on a lié. Sema. Ne crains point, petit.
troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Oh, ne crains point, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son roi. Chantons Alléluia, Alléluia. Chantons
ma soeur. Nduku na dada. Si tu crois que ce qui a été prêché est la vérité, kama unaamini ya kama kenye kinatoka mkubiriwa ni ukweli. Et si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, na kama uja bado toa maisha yako kwa Kristo, si tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, kama uja ichikaka Bwana Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako wa upekee, tu viens d'apprendre ce matin que c'est lui notre parent rédempteur. Unatoka mkujifunza asubuhi ya leo ya kama ni yeye ndugu yetu mkombozi. Si tu veux donner ta vie à Christ, kama unapenda kutoa maisha yako kwa Kristo, pour que tes problèmes trouvent des solutions, ili mambo yako ipate jibu, pour que tu puisses arrêter de pleurer, ili uache kulia, tu n'as plus de quoi pleurer, hauna tena tu n'as plus de raison de pleurer, hauna tena na haki ya kulia. Jésus-Christ, notre parent rédempteur, Yesu Kristo ndugu yetu mkombozi, a prévalu. Il a vaincu Satan. Il a été meurtri pour ta guérison. Pour la guérison de ton âme. La guérison de ton esprit. La guérison de ton corps. Maintenant, mon frère, ma soeur, si tu n'as jamais pris cet engagement de suivre Jésus, l'occasion t'est offerte. L'occasion t'est offerte. Si vous croyez que c'est la vérité et que vous voulez donner votre vie à Christ, levez votre main. Kama unaamini kama ni ukweli na unapenda kutoa maisha yako kwa Kristo, nyolosha mkono wako. Qui veut donner sa vie à Christ? Nani anapenda kutoa maisha yake kwa Kristo? Qui veut l'accepter comme son parent rédempteur? Nani anaamini kama Bwana Yesu Kristo ndiye baba ndugu yetu mkombozi? Levez bien la main, je vois d'autres mains qui sont levées, qui sont en train de prier. Naona mikono ingine yenye kunyooshwa iko naomba. Maintenant je demande que ceux qui veulent donner leur vie à Christ puissent lever leur main. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, mes frères. Venez avancer à l'autel. Venez. Vous êtes au balcon, descendez. Venez rapidement à l'autel. Qui veut encore s'ajouter? Avancez.
Karibiani. Yesu azali na yo mawa yaka akondi mayo ayo kalilo baya kolo Yesu azali kobe kaya epai na ye. Zonga epai na Yesu solo kozongu kozonga epai na Yesu solo kozongu kota kuko mwingine bona karibia katia lupango loko koto kokota katia lupango solo kokoto kokota nakatia lupango nous avons huit amis devant tuko na manafsi nane hapa kumbele nous allons prier. Dieu notre Père céleste, Dieu tout puissant, nous voici devant toi Seigneur, devant toi notre parent rédempteur, devant toi le seul qui fut trouvé digne de prendre le livre de la rédemption, d'en briser les sceaux et de l'ouvrir. Et quand nous avons entendu le contenu du livre être proclamé, nous avons entendu nos noms être appelés. Et ta parole déclare que tous ceux-là que tu avais connus d'avance, tu les as aussi appelés. Et ceux que tu as appelés, tu les as justifiés. Et ceux que tu as justifiés, tu les as glorifiés. Nous n'avons plus aucune raison de pleurer comme Jean pleurait. Autrefois, quand nous étions ignorants, nous pouvions pleurer, nous pouvions nous inquiéter, nous pouvions avoir des soucis. Mais aujourd'hui, que nous avons appris que le livre de la rédemption est entre les mains de notre parent rédempteur et que le livre a été ouvert, les mystères ont été révélés. Et aujourd'hui, nous possédons le titre de propriété incontestable. C'est pourquoi nous crions au secours à l'Éternel. Nous t'appelons toi le juge suprême à entrer sur la scène, Seigneur. Nous réclamons nos droits. Nous réclamons la pleine jouissance de nos droits. La vie éternelle, c'est notre possession. La bonne santé, c'est notre possession. C'est notre héritage. La prospérité, la bénédiction, c'est notre héritage. Accorde-nous la pleine jouissance de notre héritage. Seigneur, nous obligeons Satan le diable, avec tous ses démons, à s'en aller. Ils doivent partir. Ils doivent partir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les esprits méchants, tous les démons tourmenteurs, puissent s'en aller au nom de Jésus. Je proclame la délivrance totale, la guérison de tes enfants, l'affranchissement de tes enfants, la bénédiction de tes enfants, la prospérité de tes enfants, Seigneur, même l'élévation de tes enfants.
Seigneur Jésus. Nous croyons que tu nous as exaucés. C'est pourquoi nous te disons grandement merci. 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 Nous n'allons plus pleurer. Nous n'allons plus pleurer. Nous n'allons plus pleurer. Parce que nos souffrances sont terminées. Nos problèmes ont trouvé des solutions. Les maladies sont guéries. Les démons ont lâché. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ces âmes. Nous te les confions Seigneur. Traite avec ces âmes. Traite avec chacune d'entre elles selon ta grande miséricorde. Quand elles vont prendre leur baptême, que tu puisses les remplir de ton Esprit Saint. Donne-leur une repentance sincère. Que tous leurs péchés puissent être jetés dans ton océan de l'oubli et retournent à leur propriétaire, Satan le diable. Mais que tes enfants retournent dans leur position des fils et des filles de Dieu, qu'ils retournent dans leur héritage. Nous croyons que tu nous as exaucés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu. Après la réunion, vous allez rentrer, vous allez vous mettre ici. Kisha ibada, mutarudia kuikala hapa. Allez, tout le monde va sortir, vous allez rentrer. Acclamons pour ces âmes. Tutashangilia juu ya nafsi yote.